Hey, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que j'ai tout bien mis. Le micro, OBS. Ok, ça devrait aller. Ça fait toujours bizarre quand il est là, mais... C'est toujours mieux que de l'avoir entre moi et la manette, parce que je cognais dedans à chaque fois, donc c'était pas terrible, terrible. Voilà, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Moi, je suis très contente d'avoir fini la journée, parce que c'était un petit peu infernal aujourd'hui, et j'espère que ça va pas être comme ça demain. J'ai commencé avec une conférence call à 7h30, donc... C'était trop bien. Maman, bon, ça va, les clients étaient sympas, ils étaient compréhensifs, donc c'était bon, mais oh là là, qu'est-ce que c'était dur de se réveiller. Surtout, j'avais pas encore eu tout mon café de la matinée, donc ça aidait pas. Et d'ailleurs, à propos de café, j'ai eu une belle machine à café, cadeau du boulot. Je suis trop contente. J'ai mis la photo sur Instagram, s'il y en a qui veulent aller voir. C'est... J'ai jamais eu de machine comme ça, j'ai jamais eu de truc aussi fancy toute ma vie, et waouh, il y a un début à tout, j'imagine. Alors je n'ai pas encore essayé, pour l'instant je l'ai juste mise en place, mais je pense que demain matin, c'est une petite capsule tranquille, en plus ils m'ont fourgué un carton de capsule avec, donc je vais carrément pas me plaindre. C'est plutôt sympa. Ah purée, j'aime m'exploser le bras. Ok, c'est dégueulasse. Bon, mais j'ai dû me faire bouffer par un truc, je suis en train de voir que j'ai des espèces de... Pas de croûte, mais c'est un peu crade. Je vais arrêter de me gratter, je crois. Hein. Ça, c'est un peu burk. C'est burk. Je suis burk. Enfin, ouais. Donc, voilà. Je crois que je vais avoir besoin de me défouler ce soir. C'est peut-être pas mal. Ouais, pas plus mal de faire du Hades le mardi. J'ai l'impression que le mardi, ça devient un petit peu une constante. Que c'est le bordel au taf. Donc, et bizarrement, le vendredi, ben, c'est un peu le bordel aussi, mais un peu moins. Donc je sais pas trop. D'habitude c'était le lundi et le vendredi qui étaient pourris. Le lundi parce que tout le monde arrive après le week-end et les gens ils sont là, c'est « Ah on a un problème !» Donc on va envoyer un mail ou téléphoner au support. Et puis le vendredi parce que ben ils ont pas réglé leur problème du lundi et du coup il y a leur patron qui vient faire « Non mais dis donc Michou là, va peut-être faut avoir à le régler » et puis là tout d'un coup c'est « Ah mais c'est super urgent, il faut que ce soit réglé pour dans une demi-heure et tout. » Les gens, toujours fidèles à eux-mêmes, toujours semblables à eux-mêmes. Il n'y a absolument rien qui change. Donc voilà, ce fut, à part ça, il n'y a pas grand chose à raconter sur la journée. C'est une journée de boulot, donc voilà. J'ai fini un bouquin entre midi et deux, c'est cool. C'était le bouquin des Third Edition sur la série Kaamelott. C'est très sympa, du coup, ça m'a donné envie de me refaire la série Kaamelott, forcément. Comme à peu près une fois chaque année. Alors entre Kaamelott et Babylon 5... En fait, c'est pour ça que je regarde pas vraiment de nouvelles séries, parce que je suis trop occupée à regarder les anciennes. Rien de surprenant ici. Enfin, donc voilà pour les nouvelles. Ah, bonsoir Azayla, comment ça va chez toi? J'espère que t'as passé une bonne journée. J'espère que ta journée, elle était moins chargée que la mienne. Parce que, heureusement que le stream, ça a tendance à me détendre. Parce que sinon, ça serait dur. Et j'ai pensé à voter dans... Parce que bon, c'est bien pour le truc de Louise, on en parle dimanche. Moi, je fais « Ouais, ouais, tout le monde allait voter et tout !» Je me rends compte que moi, j'avais oublié de voter. Donc du coup, j'ai pensé à mettre mon vote avant le stream, quand même. Je sais pas pourquoi, mais je n'y ai pas pensé. Ça va bien, ma journée, ça allait. Ok, tant mieux, parce que... Bon, allez, les journées de fou, c'est... Le problème des journées de fou, c'est qu'après le soir, on est claqué, on n'a plus envie de rien faire, y compris les choses qui nous plaisent, et... Je refuse de sacrifier les choses qui me plaisent juste parce que le boulot est fatigant, parce que sinon ça sert à rien de vivre en fait. Donc y a peut-être des gens qui trouvent ça normal de vivre comme ça, mais bon, moi personnellement, c'est un peu... C'est frustrant, on va dire. Je sais pas, voilà. Bonsoir Tubal. Bonsoir à toi, bah j'espère que toi aussi tu as eu une bonne journée. Et que tout s'est bien passé. T'as dû voter il y a quelques minutes alors, quand j'allais dire que j'étais outrée, j'ai vu il y a 5 minutes que t'avais pas voté. Oui, j'ai voté juste avant le stream et j'étais là, je me disais, mais ils l'ont pas posté le sondage et tout, je me rappelais pas. Et en fait, si, vous l'aviez mis, mais dimanche a priori, bon, j'ai même pas regardé en fait la date. Mais à un moment donné, au moins j'avais pas... Ouais, ça devait être dimanche, je ne sais pas à quelle heure. Mais du coup, forcément, je devais être en stream et je l'ai pas vu tout de suite. Oui, c'est ça, pendant le live, et du coup, ben, moi, dans ma tête, c'était « Ah, ils vont le poster plus tard. » Parce que, des fois, le cigare, il fait des trucs bizarres, là, dans la tête, donc, bon. Voilà, c'est... Je sais pas trop comment ça fonctionne, mon cerveau, je pense qu'en fait, des fois, il fonctionne juste pas. Et je passe en mode autopilote, gouverné par mes ganglions, comme les insectes. Parce que, des fois, on se pose des questions, quand même. Bon, là ce soir, j'ai plus de cerveau, j'ai tout mis dans le boulot, et je suis « i ». Mais bon,
Je pense que ça va, j'ai pas trop besoin de cerveau pour jouer Hades, j'ai besoin de mes mains et de réflexes, ça devrait aller. Ouais. Oui, bah oui, c'est Hades ce soir, hein. J'ai bien changé. Ouais, j'ai changé l'intitulé du live, c'est cool. Parce que, à force de faire du Hollow Knight, là, vendredi et dimanche... Mais je pense que je vais rester sur ce rythme-là, une fois Hades, et puis une fois ou deux Hollow Knight. Pour voir, hein, parce que avec comme dit que 3 streams par semaine, je peux pas caser un troisième jeu, là ça va vraiment faire trop. Et si c'est pour jouer 2-3 heures par-ci par-là, une fois dans la semaine, je vais très vite perdre les réflexes. Pour construire le build et choisir le bienfait, il faut le cerveau. Merde, je savais que j'avais oublié un truc, je savais qu'il y avait un truc important là-dedans. Bon bah vous serez mes cerveaux auxiliaires pour ce soir. Non, en vrai ça va, je suis fatiguée mais ça pourrait être pire. C'était pire mardi dernier, je sais pas pourquoi. Ah bon. L'essentiel, c'est que ça passe et que je fasse un peu de merde, mais pas trop. Donc, ah, et j'ai trop hâte, normalement, si je me trompe pas, c'est samedi que je peux en faire tourner chez le barbier pour faire ratiboiser ces tifs, là, parce que j'en ai ma claque. J'espère qu'ils pourront faire quelque chose, vu la longueur que j'ai. Tu surestimes nos capacités intellectuelles? Non, mais à plusieurs, on devrait y arriver. Si chacun met quelques neurones, on arrivera bien à faire un petit réseau, là. Je dis ça mais j'ai fait un jeu de build de cartes et j'ai été tellement fort que j'ai perdu à chaque fois. Je ne sais pas faire de build de cartes. J'ai jamais su. En même temps, à part jouer au tarot, je sais pas vraiment jouer à grand chose en matière de cartes. Et encore, j'ai pas joué au tarot depuis les plombes, donc... C'était super à la mode quand j'étais au collège, donc dans les années 90. Et puis, ben depuis, y a plus vraiment un grand monde qui a envie de jouer, donc... J'ai un peu perdu la main. Bah bon. On fait avec. Ouais, par contre, du coup, aussi, là, Hollow Knight, ça m'a donné envie de faire des petits dessins, donc je sais pas si je ferai ça en stream, mais je pense que je vais gribouiller un petit peu dans les jours ou les quelques semaines à venir, parce que voilà, c'est sympa. Je fais des petites mantes. Il faut absolument que je les poutre vendredi soir, ou dimanche, je sais pas encore. J'espère que j'y arrive vendredi, quand même. Vendredi. Joue au tarot que pendant les réunions de famille. Bah en fait moi c'est surtout la famille de mon père qui fait ça pendant les réunions de famille, mais comme je vais jamais les voir, bah... Parce que déjà ils habitent loin. Ils habitent pas forcément direct à côté de chez mes parents, donc quand je vais voir mes parents j'ai pas en plus encore envie de faire la route. Donc ouais en fait ouais. J'ai personne avec qui jouer au tarot, puis alors ici... Le tarot pour eux c'est... Visiblement au Royaume-Uni c'est pour dire la bonne aventure et c'est à peu près tout. Donc je trouverai peut-être. Ah, peut-être des gens au boulot quand on retournera enfin au bureau. J'espère aussi que le bureau rouvrira un jour quand même, parce que bon... Je me suis habituée à bosser à la maison, mais sur le long terme, c'est quand même pas... C'est pas génial. C'est pas génial, génial. Disons que c'est bien de pouvoir alterner, on va dire. Mais ouais, alors du coup, je suis partie sur quoi, moi, ce soir? Ben, build aspect de Poséidon. Je pense que je reprendrai Poséidon-Artémis, ben déjà pour le duo. Poséidon-Artémis. Puis Artémis, j'ai toujours pas eu son légendaire, la Miss. C'est vrai que l'aspect de Némésis avec du Artémis, c'était bien aussi. Mais le lancer, ça m'avait bien plu l'autre fois. Donc je vais essayer d'exploiter ça parce que... C'est marrant, hein, le lancer, j'utilisais quasiment pas au début. J'ai mis peut-être une vingtaine de runs à enfin commencer à l'utiliser, si pas plus. Alors que maintenant, une run sans lancer, c'est une run de merde. Il faut dire ce qu'il y a. Bah d'ailleurs, je vais peut-être doucement lancer Hades. Parce que j'ai besoin de me défouler ce soir. J'ai besoin de jouer à Hades. Bon, enfin un truc qui pète en tout cas. Mais je pense que vaut mieux Hades que Hollow Knight ce soir. Puis en plus j'ai mis ça sur le planning donc. Pretzel Rock, on va te couper. Doucement. Voilà. Et on va voir si il me trouve la scène du jeu. Yes. Yes, il l'a trouvé, magique. Voilà. 145 tentatives d'évasion. Bon heureusement que j'en ai fini quelques-unes quand même. Hein. Mais quand je pense qu'il y a des gens, ils arrivent à enfiler 60 runs comme ça, réussis, et moi pas. Enfin, pas envie d'eux en tout cas. Faut pas envie un non plus. Donc j'étais partie, oui, c'était bien la conque hein, que j'ai prise, le truc de Poséidon. C'est bien ça. Et est-ce que je garde le compagnon Cubitos ou est-ce que je prends un autre? Je sais jamais, j'arrive jamais à me décider. Maintenant que je les ai tous. Lui non plus, j'ai jamais utilisé le compagnon Morty.
Il fait quoi de nouveau? 3500 points de dégâts dans une zone devant vous après un bref délai. Bon, on va garder Cubitos. Hein. De toute façon, je pense jamais les utiliser, donc... parce que ça change. Et on disait aspect de Poséidon que je n'ai que au niveau 3, malheureusement. Parce que j'ai plus de 100 petits temps. Je me rappelle plus comment on joue. Alors ça, c'est pour le lancer. Ok. Celui-là, c'est l'attaque. Ok. Est-ce qu'il va me dire que je peux pas me reposer? Bien sûr. Bah voilà, maintenant, à cause de Hollow Knight, j'ai envie de dash en appuyant sur la gâchette. Alors que c'est pas du tout le bon bouton. Voilà pourquoi je fais pas plus que deux jeux différents. Non. Ben, ça va attendre. Je pense que vendredi, il faudra que je reprenne en main Hollow Knight, peut-être quelques minutes avant le stream. Parce que sinon, ça risque de mal finir. Mais j'étais contente quand même, parce que ouais, je galère sur les mantes, mais... Ça va. Ça va. Tant que ça m'amuse, en fait, ça dérange pas que je refasse le combat 15 fois, quoi. Et il est fun. Donc, a priori, si j'ai bien compris, en plus, il est même pas obligatoire, ce fight. Hein. Mais... Je pense que ça va être plus facile pour moi de galérer un peu sur les mantes et de finalement les battre, même avec l'aiguillon de base, que d'aller à la cité, de crever 40 fois en route, sur les... enfin, là où il y a l'espèce de mer d'acide, et où il faut que je passe sur des pointes, et de perdre mon pognon, et d'arriver chez le vendeur en n'ayant pas de pognon. Parce que ça, je le sens venir. Donc j'ai peut-être d'abord essayé de buter les mantes. Par contre, ouais. Je fais les mantes, et puis après, je... J'irai voir pour progresser sur l'aiguillon avant de continuer. En vrai, t'as bien progressé sur les mantes, donc ça devrait passer la prochaine fois. Ouais, j'espère. J'arrive en deuxième phase. Maintenant, le truc qui est chiantos dessus, c'est qu'effectivement, je suis obligée de les frapper plus, enfin plus souvent, à cause de l'aiguillon. Il faudra que j'essaye également de leur balancer le sort là, avec le bouton B. Je sais jamais comment il s'appelle. Le sort qui balance du soul. Parce qu'il fait plus de dégâts, forcément. Mais pour ça, il faut que je les touche. Donc, à moins de sauter, je pense que ça va être difficile. Mais j'essaierai. Bon, faut que je joue Hades, là, parce que je parle de Hollow Knight. Mais, ah bah voilà, tir de submersion, c'est magique. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est un joli petit tir. Ah ouais. Non, mais je suis contente maintenant que je commence à me faire à Hollow Knight, au jeu lui-même, à la difficulté et tout. Et c'est moins frustrant que les deux premières fois où j'en avais fait. Et où je me disais, bon sang, est-ce que c'est un jeu que j'arriverai à faire en stream? Est-ce que je vais y arriver? Parce que autrement tout me plaît dans le jeu, quoi. Les graphismes sont bien, la musique elle est bien. Les personnages ils sont trop choupis, en même temps ils ont des grands yeux vides comme ça, donc ça fait un peu peur. Ah non, c'est... Voilà. Ouf. Faut juste que je résiste à la tentation de sauter sur des plateformes, parce qu'il n'y a pas de plateforme, on est d'accord. Ah ouais, donc là, celui... Avec ce truc, il faut que je spam la tech quand ils ont encore des hémolites en eux. Faut que je m'en rappelle. Ça c'est le saut, ça c'est l'attaque, ça c'est le lancer, et... Ça c'est la tech. Ok. Purée. J'ai perdu. Si, ça fait une semaine que j'ai pas joué à Hades. Faudrait que je joue entre. Faudrait vraiment que je joue entre. Je l'ai touché par quelque chose là? Ah ouais, il y a une saloperie qui m'a touché. Oh là là, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises qui me touchent? Non mais. Et t'es où toi? Voilà, voilà. Un poté nectar. Ça fait combien de salles? C'est la troisième? Je peux me permettre d'aller chez Tonton K.O. là? Il y a du Déméter, il y a du pognon. Bon, je vais quand même aller chez K.O. J'aurai peut-être un truc sur le lancer, qui sait. C'est vrai que K.O. j'aime bien l'avoir la toute première ou la deuxième salle, comme ça au moins on est tranquille. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Votre usée est de 35% de dégâts, votre lancer infligera plus 37% de dégâts, ça peut être sympa, ça aussi. Ça aussi, confusion cupide. Ah. Je vais peut-être prendre celui-là. Donc il faut juste pas que j'utilise mon lancer. Ça reste faisable. J'espère.
J'espère que je suis pas en train de dire de la merde. Donc on va voir. Mais bon, avec l'élan et la tech, je devrais arriver à quelque chose quand même. Ne pas utiliser le lancer. Ne pas utiliser le lancer. Je vais me le répéter 40 millions de fois jusqu'à ce que ça rentre. Voilà. Voilà, voilà. Ok, une salle déjà. Ouais, bah en tout cas, je regrette pas ni Hades ni Hollow Knight. Hein. C'est des jeux où je veux bien m'amuser avec. Bah en fait, non, j'ai pas de pognon là. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? J'ai pas de pognon. Ares. Ready, Lance. Ouais, bon. Là, sans le lancer, c'est pas forcément terrible. Hein. Mais on fera avec. Challenge! Après tout, vu que visiblement je fais que des jeux pour lesquels j'ai aucune facilité en stream, bah, autant faire jusqu'au bout, hein. Ah! Bâtard. Ah, McFly et Carlito, là, ils commencent à me... ouais. Allez, prends-toi ça, toi aussi. Ah, sans le lancer sur cet aspect, c'est frustrant. Hein. Et comme j'ai rien sur la tech ni sur la tech, forcément c'est un petit peu lent. Coucou Azril, comment ça va chez toi? Viens me voir loser Hades. Oh, faut que je pense. Nectar, ça y est, j'ai enfin pensé. Parce que j'arrête pas d'oublier de leur fourguer du nectar à ceux-là. Ça roule, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oh, j'ai appris un truc dans le codex encore, ça fait... Je ne lis plus le codex, c'est dommage, je devrais. Il y a plein de trucs intéressants dedans. Ouais, le nectar, ouais, merci Chuba. Ah, qu'est-ce que tu vas me fourguer, toi? Sort de douleur. Élan tranchant, sort de vengeance. Ah, sort de douleur, ça peut être sympa. On va passer sur ça. C'est la deuxième salle, donc il doit en rester encore deux. Ah non, une. Ah ouais, parce que eux, sans le lancer, c'est pas cool non plus. Voilà, donc juste les poutrer jusqu'à ce qu'ils crèvent, ça marche très bien. Et comme ça, ils seront maudits en plus. Y a encore une bêtise qui se cache là? Bah oui, il y a des petits... petits embêtants qui se cachent ici. Voilà. Ouf, c'est fini. Mais ça fait 4 salles, en vrai? Ou la salle de chaos, elle compte pour une salle? J'avais l'impression que ça faisait que 3. Bon. Pas grave. Ah, un cœur. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Voilà. Oh, mais tu l'as pas tué du premier coup, toi? Faut que je me rappelle que j'ai un lancé en plus. Puisque c'était, après tout, l'intérêt de prendre le truc de chaos. 165, ça va, c'est pas mal. Je suis déjà chez... Purée, je suis déjà chez lui. Oh, ça va trop vite, Tartare. Et Élisée, j'ai l'impression que ça prend des plombs, mais Tartare, ça va hyper vite. Oh purée, je peux rien acheter. Par un sandwich, on prend un sandwich. Ah, dommage pour le marteau. Bon. Donc j'ai quoi? J'ai un truc sur la tech et... Bah j'ai le lancé. Bah j'espère que ça suffira. Ah mais non, attendez, je suis bête, c'est pas les boss encore. Pourquoi je t'ai persuadé que j'étais déjà chez les boss, moi? Ah ouais, je suis vraiment fatiguée ce soir. Hein. Y a pas à dire. Ah, toi t'as des hémolytes. Voilà, rends-les-moi. C'est qu'on a encore qui vient. Allez les petits, on vient là. Ah non, faut peut-être pas que je m'arrête sur les pointes, hein, c'est pas bon pour ce que j'ai. Ah ouais, jouer au lancer, ça va être très rigolo. Ça va être rigolo. Y a pas de poisson, hein. Non, y a pas de poisson. J'ai oublié un truc. Ben, j'ai oublié ça. Ben, bien sûr que j'ai oublié ça.
En fait, j'aurais pas dû prendre le sandwich, du coup. Donc, maintenant, j'ai encore moins de pognon qu'avant. Faudrait aussi que je prenne des grenades. Oh ! Thanatos ! Je passais dans le coin, ouais, on y croit. Non, je vais pas m'asseoir et te regarder travailler, non mais je veux que tu me fourgues un cœur. Non mais oh. L'autre là. Ah, bah c'est là qu'il traîne lui. Oh dis donc. Qu'est-ce qu'il s'est pris comme coup lui? Bon, en vrai, je pense que ça va, je devrais être pépouse par rapport à Thanatos. Non? Ouais, un peu quand même. Ah, 18 contre 3, ouais, ça va, tranquille. Mais c'est moi ou ils sont nombreux là? Ah ouais, ils sont moult nombreux. Voilà. 23 contre 6. Ouais, Thanatos, là, t'es un peu feignant. Alors. Voilà, ça, j'ai pas utilisé des masses pour le coup, je pense. Ça, malheureusement, pour la fin du jeu, ça va être le truc qui servira que dalle. Coup des stocks inflige plus de 140% de chance d'infliger des dégâts critiques. Peut-être prendre ça. Parce que comme je compte choper du Artemis, j'espère. C'est pas gentil de dire qu'il est fainéant. Bah ouais, mais attends, 23 contre 6, d'habitude, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt moi la feignasse. Hein, les gens, là. Non, mais. Bon. 95. J'ai rien à acheter chez Caron. Donc, vous savez quoi? Je crois que je vais prendre la grenade. Et je vais bourrer le lancer. J'espère que je peux. Ah! Petit ding. J'ai entendu un ding. Vous avez entendu un ding, vous aussi? Ah, bah voilà. Poisson, poisson. Donc faut que je me rappelle comment pêcher. Ok. Ouais, du bon poisson. Le temps que j'ai mis, il m'a fallu quoi, 50 runs pour percuter le petit bruit du ding quand il y a un poisson. Je progresse, mais ça met du temps, hein. Y a pas à dire. De façon générale, d'ailleurs. En même temps, j'ai une excuse, je suis tout le temps crevée, donc... Ah, Tisiphone. Ah non, mais non, il a pas dit mon nom. Mais non, Tisiphone, t'avais fait de si beaux progrès, toi. Allez, rends-moi mes hémolites. Voilà, là, dis donc, là. Prends-moi ça. Ah! Mais qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous, là? Faut peut-être que je fasse un peu attention à ce que je fais, là. Hein? Faut que je fasse gaffe. Mais je fais de la merde. Ah ouais, j'ai vraiment plus l'habitude des... des contrôles en situation de stress. Bon. Mégère, tu m'embêtes un peu aussi. Voilà. Ça me rend ce qui reste. Voilà. Ça... Ah! Comme elle vomit des hémolites là, tranquille. Ouais. Bon, ça devrait passer, mais bon. Faut pas que je fasse trop la conne. Je suis pas arrivé à les récupérer. Voilà. Voilà, voilà. Heureusement qu'il y aura des puits pour aller me soigner. Elle meurt comme ça, Tisiphone, c'est marrant. J'ai jamais fait gaffe que c'était aussi vert. Bon. Ouais, ça va, j'ai perdu 90 points de vie. Centaine. Ouais. Pour être pire, ça pourrait être mieux. Donc on avait dit Artemis pour la suite.
pensais. Parce que de toute façon, Poséidon, j'ai eu son bousin. Et pour l'instant, je veux rien prendre. 200 PV sur Asphodel, ça va. Ça va. Bon, ils me font de l'œil, c'est 100 titans. Il serait peut-être temps que je finisse une run quand même. Hein. Surtout que je finisse une run qui me ramène du 100 titans, ça pourrait être cool. Encore un cœur, yay! Yay le cœur! Ouais, donc je vais essayer de pas trop faire de la merde. Ça allait plutôt bien. En fait, toute la run précédente avec cet aspect s'était très bien passé. C'est juste sur la fin, évidemment, que ça merdait. Hein. Mais rien de surprenant à ça. Puisque ça va toujours être sur la Hades V2 que ça va merder. Viens là, toi. Viens là. Voilà. Non! Ils vont trop vite pour moi. Voilà. Allez, petit coup par derrière, parce que c'est bien les coups par derrière. Voilà. Ça, c'est fait. Plus de vie, mais ouais, plus de vie, c'est trop bien la vie. C'est... Ben, surtout comme dit, entre Thésée et puis Hadès en V2, vu comment il frappe, un coup, t'as 50 PV qui partent. Si t'en as pas au moins... Soit tu fais des supers esquives, soit t'es comme moi, tu sais pas esquiver, et bah tu te débrouilles avec des points de vie. Hop! Allez, je vais essayer, y a de la thune. Ce sera pour être sympa. Ah non! C'était peut-être pas le bon plan sur les gorgones, mais c'est pas grave. On va faire avec. Il y en a encore une qui traîne là, je vois des petites pierres qui se barrent. Voilà. Combien ça me fait? J'ai pas vu combien ça me faisait, du 88, ouais ça va. Ça va. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Je dis souvent ça en fait. Donc j'avais dit Artemis, pour voir si je peux avoir le soutien, ce serait carrément cool. Parce que bizarrement le soutien de Poséidon... Je me sens très moyennement convaincu. Voilà. Mais... non, faut peut-être pas que je me tienne dans la lave pour lancer, hein, vous en pensez quoi? Pour être une bonne technique de pas me tenir dans la lave. Il est encore vivant lui? Non, ça va, il est cané. Allez les petits hydrons! Ah non, quoi, y'a un code de chantier? Oh le bâtard! Ah le vieux bâtard de code de chantier. Bon, reste dans la lave toi, ouais, on dira rien. Bon. Ok, s'il veut mourir dans la lave, c'est pas mal. Je n'ai jamais vu les bois, non, je n'ai jamais vu les bois. C'est vert, c'est calme, c'est... Enfin bref. Artemis, c'est son vocabulaire! Ah, c'était varié ça. Soutien d'Artemis, parfait. Donc ici, bah, y aura du nectar. Hein. Bah, on va chercher le nectar. En vrai, le nectar, je vais bientôt pouvoir l'échanger contre des contre de l'ambroisie pour faire du sang de titan. Ça peut être jouable, ça, ouais. Oh tiens, Dionysos, ça fait longtemps. Très varié comme vocabulaire pour une chasse. Ouais, c'est ça. C'est vert, c'est... Enfin, voilà. Oh! Tiens, je l'ai pas si souvent sur ce terrain, celle-là. C'est marrant. Bon, j'ai pas râlé, hein, parce que ça va, il est pas gênant comme terrain, mais... Bah, ça, par contre, c'est déjà plus gênant. Faut être honnête. Ah, je déteste les gorgones. Maintenant il va garder les hémolites évidemment. Crache-les. Voilà. Ah ouais, il torche bien le lancer. Hein. Je suis au max avec lui. Bah ouais, ouais. Alors le truc maintenant c'est je sais pas du tout comment compléter. Je crois que pour Dionysos j'ai ça, pour Hermès également, et je sais pas comment compléter. Donc je me suis pas renseigné, vous me direz.
J'ai un énorme stock d'ambroisie. Cuvée de prestige. Ah. Ouais, ça peut être sympa à ce niveau du jeu. Ah. Quoi? D'accord, ça, ben justement, ça a débloqué le dernier cœur. Je ne sais absolument pas pourquoi. Alors là. Est-ce qu'il fallait que je prenne encore certains bienfaits un certain nombre de fois? J'en sais rien du tout. Donc voilà, bienvenue sur le stream du Zero Skill et de Hello, je me renseigne absolument pas sur les jeux que je fais. Je suis en touriste absolu à chaque fois. D'ailleurs, faudrait que j'arrête de faire du tourisme et que je bute les ennemis. Non. Non, tu vas pas m'avoir. C'est un peu ça. Je suis toujours un peu fort encore, mais c'est pas grave. J'arrive pas à trouver ce qui merde avec ces alertes. Mais vraiment pas. Je me demande si j'aurais pas carrément refaire toute la partie sur la partie alerte sur l'overlay. Voire refaire l'overlay, je sais pas. Est-ce que tu as beaucoup de gnolls, j'imagine, c'est Dionysos après tout. Oui, bah ouais. Ah ouais, je pense que c'est ça. Mais ouais, c'est fort, mais je comprends pas. Le son, il a genre 5% dans Streamlabs. Enfin, dans... Enfin, Cloudbot, machin. Enfin, les alertes sur streamlabs.com. Je sais... Enfin, si je le baisse plus, à part zéro... Je vais être un peu limité. Ça, je veux bien. Vu que j'ai déjà du soutien. Oh non, mais... À chaque fois, je fais des petits réglages et je me dis « Ah, ça y est, la prochaine fois, c'est la bonne. » Et puis, bah, non. Bon, on va aller chercher ça. On voit, il n'y a rien qui m'inspire. Donc, on va prendre... des petites obsidiennes. Oh. Non, ce serait peut-être bien de pas courir dans les boules de feu. Pas une idée comme ça. Ah. Une autre là. On peut pas utiliser l'appel déjà maintenant, si. Viens dès là. Viens dès là, les enfants. Il est où l'autre? Il est là. J'oublie que le lancer, il a un petit recul et à chaque fois, je finis dans la lave. Non, mais en vrai, vous savez quoi? Juste au cas où, je vais quand même voir si je peux pas refaire un truc au niveau de ces alertes. Parce que ça me... C'est vrai que ça me gave un peu. Si moi-même, ça me gave, c'est qu'il y a un problème. Où est-ce que j'en étais? Sur la alert box. Ah non, c'est sur le store. Ok. Puis où c'est? Boutique. C'est lequel? C'était Cirque, hein. Qui est trop fort. Hein. Pack. Je vais le mettre à 1%. Je peux vraiment pas faire plus bas. Et c'est marrant parce que les autres, ça va, quoi. Les autres alertes, elles sont pas... cherchons un petit cœur. Je pense pas que ce soit déjà libre. Ah si. Déjà? Mais ça fait tôt. Furée. Je suis complètement paumée, là. Je me souviens plus ce qu'il y a dans ce jeu, c'est terrible. Bon bah, l'ernie, hein. Day, Lenny. And now, prepare to die. My name is Inigo Montoya. Toi, tu es mon père. Prepare to die. I'm empty. Ah, ça a fait un peu mal, ça, l'ernie. Ah non, la slap. Ah non, ça va, elle m'a quand même rendu un hémolyte. Une hémolyte, je sais pas. Purée, il en a trois. Je me suis fait couillonner là-dessus. Ah, la loose. La loose de la loose. Ouais. Non, ça va, elle me les a rendus. Alors. Ah, il y a un machin qui se promène, là. Il y
Y'a un squelette débile qui va m'embêter si... Si je m'en occupe pas très très vite. Bon, on va peut-être s'occuper aussi de livres, hein, ça pourrait être bien. C'est quoi ce cirque? Non mais oh là! Ça va? Vous voulez venir plus nombreux encore? Hein? Les gestes barrières d'abord. Vous n'êtes pas censé avoir de rassemblement de plus de 6 personnes. Je suis sûre qu'ils étaient plus que 6. C'est à peu près ça. Voilà, celui-là, il est bien au niveau du son. Il passe. Hein. Faut quand même essayer de pas crever connement. Hein, pas péter un refus de la mort pour ses bêtises. Hein. Où est-ce qu'il est, lui? Ah zut. Je suis pas arrivée à passer entre. Et oui, je sais que j'ai chargé mon appel, mais je vais le garder pour la miss. Ah là là, ce lancer, il est quand même classe. Lernie, tu es où? Voilà. Ah, le petit squelette en ralenti derrière pendant l'appel, c'était terrible. C'était génial. Mon père, c'est le dieu de la mort. C'était par rapport à quoi, ça, de nouveau? C'était par rapport à quoi, Azriel? Parce que comme je débite des conneries à l'appel, je sais plus à quoi tu faisais réaction. Indigo Montoya. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est ça, toi et mon père. Non, mais le Prepare to Die, ça me faisait trop penser à ça. Je pense que c'est fait exprès, d'ailleurs. Je suis sûre que c'est fait exprès. Alors, le glandu magique. Et qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Mouais. Je sais bien que j'ai de la thunasse, mais quand même. C'est comme ça que ça s'écrit. Je crois que c'est Indigo Montoya. Attends. Je crois que c'est ça. Oh mince, attends, j'ai un doute. Ah! C'était quoi à nouveau son nom? Indigo Montoya, voilà. Oh là là, faut pas me demander de réfléchir. Quand je suis en réflexe, ça va, mais alors ce soir, quand faut utiliser le cerveau, un peu difficile. Pourquoi je disais Indigo, moi? Je pensais à Indiana Jones en même temps. Ouais, le neurone, il a du mal ce soir. Hein. Il a beaucoup de mal. Je dis bien le neurone, parce que visiblement, c'est le dernier qui reste. Bah, à part ça, tout va bien. Ah bon? Bah, ça va. Ça pète bien. Ça pète même très bien. Je sais jamais pourquoi les statues explosent, mais ça, c'est autre chose. Où est-ce qu'il est, mon dernier hémolyte? Où est-ce qu'il est? Ah! Ce qu'il fout là-bas. Bon. Il allait se perdre à l'autre bout du terrain pour une raison que je t'ignore. Alors, Altier Fulgurant, ça peut être cool. Ça peut être cool. Celui-là est bien aussi. Mais là, pour le tir, je pense que je vais prendre ça. Ça sera un poil de fesses plus optimisé. Deuxième marteau. Par contre, au niveau bienfait, c'est... Il y a de la variété, mais je sais pas si la variété, c'est ce que je voulais cette fois. Enfin, c'est pas grave. Tu me rends ça à toi, merci. Les deux autres venez là. Et il reste quoi? Il reste elle. Alors. Ouais, je me disais bien qu'elle avait une deuxième dans le tas. Et on va éviter de se prendre le dernier cristal qui... Enfin, la dernière boule de feu qui traîne. Yop! Et un joli petit marteau. Alors, supernova, pourquoi pas? Non. Vagalam, ouais, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Mais bon. Sur cet aspect, plutôt prendre ça. Bon, là, on va quand même restaurer un peu de life. Parce que Élysée, je me méfie. Hein. Bon, je suis... Ah, je suis à 285 quand même. Ah ouais. Oh, intéressant. Dionysos versus Poséidon. Et puis, ça fera toujours deux trucs en plus. Il y a de la moulasse, il y a un trésor. Bon, on est gâté ici, dans cette salle. Bon, je pense que le trésor, ça va être genre des obsidiennes et je le prendrai pas, mais... Allez, oncle Popo, qu'est-ce que tu me donnes? Frappe marine, technique marine... Ouais, point d'ébullition... Ah, voilà. Et le premier qui me dit, avec ça, tu battras Hadès, c'est que vous me connaissez pas encore assez bien. Tu vas truc fort entre nous, un vrai lien familial. Oh là là, tu m'as trop blessé. Drama. Oh là là. Oui, c'est ça, en fait, c'est Dieu, il tombe dans le drama à peu près aussi rapidement que n'importe qui sur Twitter, quoi. Ah oui, il faut que je me rappelle qu'il me balance des petits puits de poison, là. Zut. Oui, c'est bon, j'ai compris qu'il se régénère, mais faut que j'évite de mourir, ça serait bien. Ah! Mais je crois... Il était pas mort, ok. Bon. Mais... Je déteste les pavoiseurs. Hein. Mais genre bien, quoi. Moi, je reste sur les lances, tranquille. Genre... Ouf, ça va. Je vais esquiver. Bon, bah tu sais quoi. Voilà. J'ai un bel appel. Je vais pas hésiter à m'en servir. Ouais. Ah, par contre, ouais, l'attaque, c'est mou du genou. Hein, pour le coup. En même temps, j'ai rien sur l'attaque. Bah ouais, il m'a quand même bien entamé la vie sur ce combat-là. Ah, les petites fleurs. Moi, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai toujours rien sur l'élan. Mais en même temps, c'est pas trop l'élan de Dionysos que je voudrais ici. Je voudrais bien suite Poséidon. Y a pas de la moulasse. Ah non, j'ai déjà prise. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Moi. Pourquoi je fais ça. Tentant, petit réflexe malheureux comme ça. Ouh, Astérion. Mon copain. Bah oui, je la percerai ton armure, qu'est-ce que tu crois. Ah ouais, d'accord, il commence comme ça. Bon, il finira bien par éjecter les hémolites tout seul comme un grand. Ou pas. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ma capacité d'esquive, c'est pas encore ça. Ah, ah. Il me court après. Maman, j'ai peur. Bon, ça va, il a pas refait son truc tourbillonnant. C'est moi qui m'a fait une charge alors que... Bon. On va attendre qu'il ait fini. Ah, c'est tout. Ah merde, il a proc son bouclier. Ah la conne. Bah dis donc. Bon, j'irai pas récupérer mes hémolites tout de suite. Hein. Voilà. Ah, comme ça, c'est un peu mieux. Je vais quand même pas perdre un refus de la mort, sauf con. Ah non, mais sérieux, là. Ah bah si, faut croire que si. Bon. C'est pas grave. Oui, oui, je suis toujours debout, mec, y'a pas de soucis. Mais t'inquiète, tu vas pas être debout très longtemps, toi. Enfin... Sauf si j'arrive pas à récupérer mon lancer, évidemment.
Voilà. Ouais, l'appel, j'aurais dû le garder un petit peu là. J'avais plus... Je me rappelais plus du tout qu'il faisait un petit bouclier au milieu de life, là. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Bah voilà, élan marin. Parfait. Quoique l'autre aurait été bien aussi. Bon, c'est pas grave. Je trouverai bien de nouveau. Ah ! C'est des chars qui miaulent. Non. Oula. Je te viens pas me prendre cette merde. Oh, j'y vais un peu à la prudence, hein. C'est un peu pépouze, mais c'est pas grave. Ah zut, j'en ai plus. Ah ! Voilà. C'est pas fini. Il y a encore combien de chars? Beaucoup trop. Parce que ceux-là, j'ai beaucoup de mal à les esquiver. Faut dire ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? Un archer. Il y en a un ou il y en a deux, des archers? Bon. Je sais plus ce que c'était. C'est pas grave, ils sont morts. Ouais, des clés et des gemmes, yaïa. Le choix est absolument merveilleux. Par contre, la fontaine, je dis pas non. Ah non, j'ai pas le bien fait avec les fontaines de Dionysos, là, dommage. Ah, un Patrocle ou un cœur. Zut. Patrocle, je prendrais bien l'Hydracola. Le cœur, je prendrais bien le cœur. Zut de zut. Tant pis, je crois que pour une fois, je vais pas aller chez Patrocle. J'espère que je regretterai pas mon choix. J'espère vraiment. Non, rends-moi mes hémolites, toi, merci. Oh là là, ce bordel. Mais... Je suis Agréus, j'ai toujours pas visé. Voilà. Et il est où l'autre? Il est là. Ah! Salopio de papillon, là. Bon, faut vite que je les décarre, ceux-là. Voilà, et le deuxième. Non, pas les lances. Pas dans les lances. Pas rester dans les lances, c'est pas cool. Il reste qui, là? Il reste pas grand-chose. Bon, ça va. Ouh, ah, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai quand même pas commencé à... À paumer de la life là-dessus et à canner n'importe comment, ce serait nul. Par contre, ceci dit, à l'occasion, si je trouve un baiser du Styx, parce que j'en ai pas encore vu dans les bassins, donc c'est qu'il devrait y en avoir un ensuite, il y en a quand même au moins un par run. Voilà, là il y a un bassin, c'est déjà bien. Ah! Ah, ils sont où les archers? Ah bah voilà, avec l'élan, c'est quand même pas mal, c'est quand même mieux. Mais dis donc, toi. Là, je le vise tranquillou et puis non, ça passe pas. Où est-ce qu'il y en a encore? Il me manque un hémolyte. Ah! On va juste éviter de se prendre ça, voilà. C'est cool. Ok, et qu'est-ce qui apparaît encore? Ah dis donc, ils sont nombreux là quand même. Ils sont donné le mot là. Ils ont ouvert un restaurant clandestin à Élysée ou quoi? Alors je sais pas si vous voyez quelque chose du combat. Moi personnellement, je vois pas du tout ce que je fais. Hein.
Ah regardez-moi cette merde. Allez. C'est fini? Ah non, c'est pas fini. Je suis bête, moi. Pas récupérer mes cochonnetés, là. Ok, ça c'est fait. Ouh. Alors, élan marin, soutien d'Artémis, point d'ébullition, on va monter le soutien. Je vous avoue, je ne sais jamais qu'est-ce qui détermine le skill, enfin le bienfait qu'une grenade va monter. Là, honnêtement. J'avais dit que j'allais voir au bassin. Voilà, parfait. Je fais quoi? Je vais chercher Artémis ou je vais chercher Caron? Je prendrai bien un petit sandwich en vrai. Allez, j'ai déjà le soutien d'Artémis, ça devrait aller. Ah bah voilà. Bon. Je prends un truc d'Artémis, allez. Frappe mortelle, marque du chasseur. Ah, voilà. Ça c'est pas mal. Putain, tant qu'à faire. Parfait, juste sur le tir, excellent. Je suis à combien sur le tir? Maintenant je dois être à 5. Hein. Donc il manque juste la frappe, mais ça je m'en fous un peu. C'est pas ce que je vais utiliser le plus. En vrai, ouais, j'aime vraiment beaucoup cet aspect pour l'instant. 335 PV pour Thésée et Astérion. Je suis déjà arrivée sur Hadès avec moins que ça, donc je dirais que c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Mon dieu, ce char. Ce char. J'en peux plus. Quoi. Ah ouais, d'accord, tu commences comme ça, toi, déjà. Il est où? Oh, il est là. Ok. Ah, vite, Cassos. Ouais, c'est bien. Prends-toi le poteau, on dira rien. Oh, il me reste encore 3. Ok, il me reste 3 utilisations encore sur le gland. Non! C'est pas Thésée que je veux toucher. C'est pas Thésée que je veux virer en premier. What? Bon, ça va, il s'est pris le poteau. Zut, j'ai un hémolyte qui traîne au milieu là. Viens, Astérion! Zut. Ah! Bon, ça va, il se déloge tout seul, c'est ok. Thésée qui pète un câble. Si tu pas arrivé à me casser à temps. Je suis pas arrivé à partir. Astérion, il est un petit peu vénère que. Que je l'ai poutré tout à l'heure. Hein. Ah, je n'ai plus le gland. Ok, ça c'est pas génial. Voilà. Zut, j'ai même pas vu là que. Je vous assure, la moitié du temps, je vois pas du tout ce que je fais, c'est assez frustrant. Bah alors? Bah voilà! Je me disais bien. Oui, oui, Thésée, j'ai battu le taureau. D'ailleurs, il est où Thésée? Ah, il est là. Ah! Ah, de me foutre des obus partout, c'est dégueulasse. Hein. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est fini. Non, reviens. Reviens, Thésée, j'ai les mêmes à la maison. Ah oui, c'est vrai que j'ai le truc d'Hadès sur la technique de Arès. Comment ça, ma défaite ne fait aucun doute? Mais si. Moi, par contre, je dis pas. Ah là là.
Yes, super. Cette basseuse ne connaît-elle aucune limite? Ben non. C'est qui ça? Ah, c'est Déméter, ça. Voilà. Comment ça? Comment ça, Thésée? Ouais, c'est ça, c'est Toréator. C'est, ben, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est de le faire foncer dans les colonnes, mais le plus souvent, ça m'a... je n'arrive à l'arrêter que quand il me fonce dessus, quoi. C'est juste que du coup, il me fait des dommages. Allez, on dit au revoir à l'ombre. Ma gentille petite ombre. Donc j'ai récupéré mon refus de la mort, ça c'est cool. Je garderais bien le gland, mais je me sens pas de faire Hadès sans ça, quoi. Là, j'ai besoin de rien, non. J'ai besoin de rien. Bon, je suis plus trop chargée en thunes, mais c'est pas grave, c'était de la thune bien dépensée. Bon, maintenant, je retourne mourir, hein, comme d'habitude. J'ai arrêté de compter le nombre de runs V2 que j'ai faites, mais... Il y a une partie de moi qui veut pas abandonner tant que j'ai pas battu Hadès en V2. Le seul problème, c'est que ça risque d'être très très long. Donc à un moment donné, si vous vous faites chier, vous le dites, hein, je ferai une run en V1, on va dire. Histoire de varier un peu les plaisirs. Ah, 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 poisson! Poisson, on va aller le pêcher avant d'oublier. Mais surtout avant que ça recharge. Enfin, que la zone ne recharge. Poum poum, c'est pépouze. Hein. Allez, allez, le poisson! T'inquiète, ça va bien se passer. Ouais, de toute façon, ça se passe très bien, hein, jusqu'à Hadès. Remettre à plus tard, ce n'est pas abandonné. Non, non, c'est pas abandonné, on est d'accord, mais... J'ai envie de le faire. Tant que j'ai envie de le faire, je me dis, je continue. Et puis le jour où ça me saoule, ben, je remets à plus tard. Y a pas de cœur, ben, j'ai bien fait de prendre un autre cœur tout à l'heure. Allez. Moi, je dis que ça va être chez Dionysos. Ah! Qu'est-ce que je fous, moi? À glander, là, tranquillou? Oh là, mais quelle nouille. N'empêche, j'aime bien cet aspect. Je suis où, moi? Mais dans quoi je tire? Je suis conne. Bon, ils m'ont pas fait de dégâts, c'est déjà ça. Il y a un peu beaucoup de flotte hein, dans cette partie. Il y a vraiment de la flotte partout. Il semblait que j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Par contre, je vous avoue, le truc auquel je me sens pas prête, c'est... pas les mesures d'urgence, mais les trucs où... Sur le pacte des châtiments... Où en fait il faut que je me débarrasse d'un bienfait à chaque fois que je sors d'une région ou un truc comme ça ou d'une chambre. Je crois que c'est d'une région. Parce que ça, je pense que ça va faire très très mal quand je serai obligé de le prendre par manque d'autre chose. Enfin de... Je sais plus parler moi. Il y a encore un satyre quelque part ? Je sais pas si j'ai réussi à buter quelque chose, j'espère. Je veux dire en courant sur le piège. Autre chose que moi, bien entendu. Bon. Ça s'est pas trop mal fini. J'ai perdu qu'une quarantaine de points de vie. Ça va. Perce-cuir, marque du chasseur. J'ai un truc qui fait chance de coup critique, donc pourquoi pas celui-là. Ah merde, par contre du coup j'ai pas du tout regardé pour le légendaire. Bon, ce sera pour la run suivante parce que là je pense pas que j'ai ce qu'il faut pour le légendaire Tamis. J'ai complètement zappé. C'est... Enfin, à force d'essayer de faire 50 trucs en même temps. Point de pression, d'accord. Je pense que j'ai très très peu de chance de l'avoir sur cette run. Mais en vrai, faudrait que je fasse une run spécialisée Artemis, je pense. On va aller chez Popo. Ah! Il y a encore un molardeur là. Bah
vache, je déteste les satyres. Y a-t-il quelqu'un ici qui a joué à ce jeu qui aime les satyres? Parce que je me pose vraiment la question. On va prendre ça. Fil de la nuit, vu que j'ai complètement oublié que j'avais un compagnon ctonien jusqu'à maintenant. Ça par contre, j'ai toujours pas l'habitude de m'en servir. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est quand même bien pratique. Je le prendrai si je suis obligée de faire un mini-boss ici. Enfin, j'essaierai de me rappeler. Ah! Bon, ben... J'avais dit qu'il serait chez Poseidon? Personne n'aime les satyres, merci Azeila, c'est pas juste moi. Ah, Chuba, t'as pas touché au jeu, mais t'aimes bien les satyres. Bah, j'aime bien les satyres, genre... à Changelin, où ils sont gentils et tout, enfin, normalement. Récif tranchant... Bah, on va prendre... Est-ce que j'ai un truc que je peux obtenir avec Poséidon? Ah, le duo, j'ai pas eu, tiens. Seconde vague. Déferlante. Tir de mirage. Dommage, celui-là, je l'aurais pas eu. Faut prendre ça quand même. Et on va aller chercher la thune. Donc 455, ouais, je peux quand même prendre un ou deux trucs sympas avec ça. Bon ben en fait on va prendre celui-là hein. C'est vite vu. Frappe marine. Récif tranchant. Ouais. On va prendre celui-là. Un peu dommage mais bon. Enfin c'est dommage, non c'est pas dommage, il est sympa. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément bien calculé sur le build par rapport au légendaire et au duo. Là sur ce coup-là, c'était... J'ai pas fait gaffe du tout. Bon, allez, je vais me faire poutrer. Je vais essayer de l'amener en phase 2. Au moins. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que, ouais, une fois rentré, je vais essayer quand même d'échanger du sang de titan ou un truc comme ça. Je sacrifierai des nectars. Mais ouais, Frim, papa. 145 caps que tu crames. Moi, si j'étais toi, je serais pas fier. Mais prends-moi mes émolites. Ok. Il va me faire son tournoyant, là. Voilà, rendez-moi ça, c'est bien. Ah, il m'en pique toujours l'un ou l'autre au passage, hein. Zut. Je pensais que j'arriverais à l'éviter, mais visiblement non. Ah, zut. Chaque fois, je me fais avoir. Bon. Celui-là, il chargera encore quelques fois, je pense. Ouh! Oh, il y a un bâtard de papillon, là. Ok, ça va être difficile. Je pense que ça va être un peu chaud. Mais on va faire avec. Ok. Autant le cristal il me dérangerait pas, mais alors le truc à le cochoncé à papillon là. Oh. Toi aussi t'as des. Encore des émolites là que tu m'as mangé. Décidément. Par contre, ouais, il charge vite, hein, y a pas à dire. Allez, y a un refus de la mort qui va y passer, malheureusement. Oh non. Une gorgone et un papillon, je veux pas dire, mais je pars pas gagnante pour le coup, là. Hein. Mais genre, vraiment pas. Ça va être un peu chaud.
Bah, faut que je descende Hades le plus vite possible, hein. Je crois que j'ai malheureusement pas le choix. Ok. Bon, phase 2, ok, on y arrive. Viens là. Ah! J'avais oublié ça. Oula, 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 oula. Ah! Je veux me planquer. Tout ce que je demande. Juste me planquer. Ah non, je me suis vraiment coincé là où il fallait pas. Mais genre vraiment là où il fallait pas. Il a encore les hémolytes ? Bah bien sûr, forcément. Ok. Ah ouais, ben... Il m'en reste deux, des vies. Ouais, ouais, c'est... Il m'en reste deux, mais c'est... De façon générale, j'ai quand même beaucoup de mal, quoi, sur... En même temps, c'est Hades V2, ça va, c'est... C'est pas non plus mamie, quoi. Ouf, oh, j'ai eu de la chatte, là. Je crois qu'il m'a pas touché. Ouais. Ah, c'était ça, ok. Maintenant, je comprends, parce que j'... En V1... Ce que je fais souvent, c'est d'essayer de le frapper derrière. Ça, par contre, j'ai du mal. Non ! Bon, je crois que j'ai réussi à éviter Cerber, me semble. Ok, tant qu'il pète pas la jarre à côté, ça va. Ah, là, je suis coincé pile là où il faut pas. Ah, ah, ça c'était naze. Ok. Il se fâche un peu là. Hein. Non. Bon, je vais essayer de péter ces cochoncetés. Non. Voilà, il me les a rendus, ça c'est bien. Ok. Il m'en reste qu'une de vie. J'ai pas vu la jarre. Oh la fail. Oh le fail. Bon bah... Je vois que dalle. Je vois que dalle. Bon, je pense qu'il est... Bon. J'arrive en phase 3. On va dire que c'est bien. C'est toujours mieux que rien. Bon, c'était pas forcément le meilleur build que j'avais non plus, mais... C'est pas une excuse. Non, mais c'est... Voilà, ça va très souvent être dommage, malheureusement. C'est...
Ah, il a encore un truc à me dire, lui. Il a eu le vieux pacte entre Orphée et ton père. Oui, ça date, Thanatos, c'est ça date. T'as un train de retard, là. Comment tu auras de te mêler des affaires des autres? Est-ce que l'un d'eux t'a seulement demandé de l'aide? Non, mais ils ont l'air contents. Donc moi, ça me va. J'ose imaginer que sa femme non plus n'y a pas vraiment pensé, étant donné les circonstances de leurs derniers moments ensemble. T'es jaloux? Qu'est-ce qu'il y a, Than? Ils avaient encore des sentiments l'un pour l'autre, mais aucun moyen de communiquer. Bah ouais. Je sais que tes intentions étaient bonnes, mais non, rien, tu sais quoi, laisse tomber. Et c'était quoi le but de ces discussions, Thanatos, hein? Moi je dis ça, mais... Bon, ben, puisque tu t'es barré comme d'habitude, je vais aller vendre mon poisson. Dernière prise. Ouais. Déjà, j'aime trop bien. Il me filerait pas du sang de titan, hein, bien sûr que non. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je pense que je vais sacrifier des diamants pour prendre du sang de titan, hein. Ah non, attendez. Ah non, c'est de l'ambroisie qu'il faut que je sacrifie, ok. Combien j'ai de nectar? 19, donc on va faire ça comme ça. Voilà. Du coup, ça me fait 300 titans, je peux peut-être monter l'aspect. Nyx faire une pause. Toujours dans son coin avec ses jolies fleurs. Bah non. Donc, oui. Je vais aller augmenter mon arme. Ah, pas de prophétie cette fois. Qu'est-ce que je fous, moi? C'est ici. Stygius. Ah non, c'est 4. Bon, bah... Ah, j'ai encore assez de diamants pour me repayer une ambroisie. Bonsoir, Eglos. Comment ça va chez toi? Coucou, coucou. Comme tu peux le voir, je suis de retour au palais d'Hadès. J'ai encore perdu. J'ai encore tout mouru. Pour pas changer. Mais c'est pas grave. Voilà. Bon, ça va. J'ai plus de cerveau aujourd'hui, mais j'ai tout laissé au travail. Donc je joue purement avec mon système nerveux. Voilà. Ouais. Bon, je fais plus 40% sur le lancer. Ça va, c'est pas dégueu. Oh, 40-50%, c'est quasiment pareil, non? Non? Un tout petit peu? Non? Bon. Donc, je disais, je repars sur Poséidon. Bah, je repars sur Poséidon. Allez, on s'évade! Yay! Hades V2, un jour! Un jour, il y passera! Un jour! Je vous promets. Je sais pas quand ce sera, mais... C'est quoi? Ça fait 3 semaines que j'essaye de la voir. Enfin, vous me direz, à raison d'une fois par semaine. Enfin, d'une séance de Hadès. Si je pense bien à manger, à me muscler un peu. J'ai cru qu'il allait me filer des anabolisants un instant, là. Ah! Mais, il y a du poisson! Faut d'abord que j'aille buter les ennemis. Voilà. Oui, je vais chercher le poisson. Oui. je frappe les boutons pour Hollow Knight, maintenant je suis complètement perturbée. C'est terrible. Allez, un mignon petit mollus. Au moins cette run n'aura pas servi à rien. Ben j'aurais débloqué, c'était quoi? C'était Dionysos? Je crois, ouais. Donc, c'était pas perdu. Boum boum boum. Ah, mais je peux aller chez K.O. C'est parfait, on va tout de suite y aller. J'ai pas vu Ereb depuis un moment, moi. Bizarre. Enfin, je me souviens pas avoir vu un portail d'Ereb. Dans la run que je viens de faire. Ouais, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? D'accord, il est content qu'on ait des liens, c'est cool. Mutilation explosive. Mouais. On va prendre ça. Il me manque toujours un truc de chaos et j'arrive pas à le tirer. J'ai le retirage là de dés, ou je sais plus ce que c'est. Ou je vais peut-être voir ce que ça peut donner la prochaine fois. Ah!
Ne pas rester là. Voilà. Alors ensuite, de la thune, ça me va. C'est cool la thune. C'est vrai que j'en ai pas des masses. Pas pour l'instant. Allez, le fist, viens là. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué les points. Maintenant que je me le dis. Il m'a attrapé ? J'ai pas réussi à voir. Bon. Alors, bon, on va prendre un petit cœur parce que aller chez Caron. Ouais, bon. Prout. J'aime plus ce que j'ai pris que le truc de chaos, c'est. C'est la frappe que je dois pas utiliser. Bon, décidément, parler et me battre en même temps, c'est un truc que je sais pas faire. C'est assez intéressant. Ah, la conque. Ah oui, c'est le truc de Poséidon. Qui a gratté un niveau, c'est bien ça. Du coup, ben. Qu'est-ce que je fais moi? Hey lads. Allez, McFly. Not yet. Zut, pas assez rapide. Voilà. Ah ben voilà un portail des rêves, je me disais bien. J'ai pas dû faire attention. Ah, elle est classe, cette musique. Ah, mais oui. Moi j'en attendais 4, mais c'est vrai que j'ai pas 4 lancés sur cette partie, pas pour l'instant. Mais oui, mais oui. Ah! Voilà. Ne pas rester à côté de la bombe, ce serait une idée, hein. Ça pourrait être pas mal. Alors, élan marin, récif tranchant, mer déchaînée. Ah, ouais. Ah! Hein. L'élan, je veux bien l'élan, mais ça, ça peut être... Je vais quand même prendre celui-là. Et on va essayer de s'en tirer avec Ereb. S'il n'y a pas trop de merdouilles... Enfin, ça dépend quel type de merdouille, tant que c'est pas des gorgones ou des trucs comme ça. Putain, il fallait que ce soit des chars. Il fallait que ce soit des chars, forcément. Bon, en même temps, ils sont déjà tout mourus, donc ça devrait aller. Où est-ce que t'es, toi? C'est moi qui est un peu mou du genou, le lancer, là. Bon, oh, je sais pas, il était bizarre. Ouais, elles sont pas géniales, ces récompenses, hein. Franchement, bouf. Coucou Yajiji, comment ça va? Alors ce soir, je fais de nouveau l'aspect de Poséidon. En essayant de booster le lancer. J'ai réussi à le monter d'un niveau, j'ai gratté du sang de titan. On va éviter les pointes. Hein. Pour être cool. Je pourrais me contenter de courir partout, mais... pas très glorieux, hein. Pas. Ah, pour la forme, on essaie quand même de battre quelques ennemis. Sans trop prendre de dommages, ce serait cool. Pourquoi où est-ce que j'étais coincé, moi? Purée. Cochonnerie, là, qui balance des rayons. Voilà. Tranquille et toi? Ouais, moi ça va, je suis fatiguée mais parce qu'on avait une journée bien remplie au taf, mais autrement ça va. La run marathon, ouais c'est un peu ça quoi. Non mais en ce moment, Hades c'est du marathon parce que la V2, tryhard hein. Enfin c'est surtout hard mais bon. je prends des gemmes ou je prends... Il y a rien qui m'enjaille en prendre des gemmes, ça changera un peu. Ah, vous la sentez, la motivation face aux gemmes. Ok.
Je commence à prendre goût au lancer de Poséidon, hein, c'est pas pour dire, mais... Il y a peut-être un mieux, mais celui-là, je l'aime bien. Celui de Zeus aussi est sympa. Je pourrais peut-être tenter un truc comme ça en me focalisant sur Zeus pour changer. Je sais pas. Allez, on se le tente. Il y a de la thune. Get your hands off my trove. Quoi? Bien sûr que je vais le prendre ton coffre, qu'est-ce que tu crois? Ah! Ne pas rester dans les pierres, ce serait cool. Qu'est-ce qu'il y a encore, elle? Il y a lui. Oh, je dis lui, je sais pas si c'est lui. Voilà. Je sais pas du tout combien j'ai récupéré. 89. Ouais, j'en ai gagné une de plus par rapport à l'autre fois. Yay. Yeah. Ben, je vais aller voir mon ami Pierrot. Puis son pote Sisyphe. Attendez, non, c'est l'inverse. C'était l'inverse. Allez, Pierrot, je crois en toi. Ma couleur préférée, c'est la couleur caillou. Ok. J'ai eu droit à quoi? Bonus d'ambiguïté, mais... Mais si, je crois en Pierrot, je crois en Pierrot, pourquoi il me... Bon, c'était vraiment de la merde. Allez, Thunas. Et ben, on va voir ce qui m'attend. Ouh, des cristaux en armure, attention, ça déconne plus, là. Il n'y en a pas un autre, en vrai? Ah non. Bon, ben... par contre, il y a beaucoup de petites merdouilles, là. Hein. Heureusement que le bienfait de Poséidon, il éclabousse bien. Et où est le dernier? Il est là. Voilà, ça remplira les 10 nectars que j'ai sacrifiés tout à l'heure pour... C'était pour quoi nouveau? C'était pour un diamant, hein, il me semble. Dracola, pelote d'Ariane... J'ai 400 boules, déjà? Ah ouais. Allez, je le prends jamais celui-là. On va voir. Ah, poisson. Donc je pêche avant d'oublier, hein, c'est surtout ça. Même si c'est chez Hadès que j'aimerais bien du poisson, mais pour ça il faudrait que je batte Hadès. Ce serait quand même une bonne chose. Poisson, poisson, ouais, Zayla, du bon poisson. Alors, en vrai, ça me donne envie de manger du poisson, là. Sauf que j'en ai pas. Ouais, je me suis pété le bide avec des sushis ce week-end, ça devrait aller. Allez, on va prendre un Athéna. Technique divine, soutien d'Athéna, démarche assurée. Ouais. Je prends jamais celui-là, on va prendre ça pour changer. Parce que les pièges... c'est ma kryptonite. C'est à peu près ma réaction dans ma tête. c'était ça. Comment ça? Ah! Elle m'a déjà envoyé le Beyblade, hein, bah zut. Oula. Je l'ai eu? Ouais, je l'ai eu. Enfin, je l'ai évité plutôt. Mon émolite, reviens mon petit émolite. Je suis trop près d'elle là. Je suis trop près d'elle. Là aussi d'ailleurs. Quoi, tu vas me faire crier? Mec, je t'ai déjà dit, tu gardes ça pour la chambre à coucher, s'il te plaît. Mais où est-ce qu'ils sont mes émolites? Il m'en manque. Ah non, je crois qu'il m'en manquait un. Hein. Bon, peut-être pas. Là, je me colle trop près d'elle, c'est pas génial. Allez,
En fait, le problème des ennemis sur le terrain, là, c'est qu'ils prennent de la... Ils se mettent sur le chemin de mon lancer. Donc c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ah ! Mais Meg ! Arrête avec ce truc ! Ça devient lourd. Bon, je préfère ça à la Beyblade déjà. Ok. Comment ça finit son zan, mais... Ouf. Je suis quand même pas crevé là-dessus. Ça serait naze. N'empêche, hein, contre Tisiphone, j'ai un peu moins de mal. Elle est où, Meg? Elle est là. Éviter de se faire toucher par le dernier vitrine. Oula. Putain, j'en suis pas loin, hein. J'en suis pas loin du tout. Voilà. J'ai pas perdu de refus de la mort, c'est déjà ça. C'était pas loin, mais... Après, faut être honnête, contre les trois Irini en même temps, c'est quand même pas aussi évident que contre deux ou une. Hein. C'est obvious. Bon, on va aller boire dans la petite fontaine, on va aller récupérer l'ami Artemis. Et vous voyez que j'avais oublié d'utiliser le compagnon, là, comme d'habitude. Ah, ça c'est bien. 215 PV pour arriver sur Asphodel, c'est bien en vrai. Moi, c'est pas mal. Faut que je fasse gaffe maintenant à quel bienfait je vais prendre. Ouais, non. Portail de chaos, c'est une fois par run pour moi. Ne pas abuser des bonnes choses. Mais surtout ne pas abuser des malédictions. Ah! Les petites vilaines. Ok, alors il y en a combien encore? Ouais. Et elles se cachent où? Ouais. Mais revenez! Je peux pas vous frapper si vous vous montrez pas, les vilaines. Bon, toi reste dans la lave, ça me va très bien. C'est pas mal. C'est une bonne combo. Ouais. Alors, il doit rester une tête d'hydre quelque part, mais je ne sais pas où. Voilà. Petit coup pour finir. Coucou Ganjana, comment ça va chez toi? Ah bah tu arrives juste quand je finis le combat et que du coup j'ai nouveau un cerveau pour dire bonjour aux gens, c'est parfait. Hermès, je peux toujours rien lui offrir, c'est vrai. Tir fulgurant, on va prendre ça. Y'a quoi là-dedans? Ouais. Bah ouais, fatigué aussi, c'était chiant au taf. Y'avait plein de gens qui appelaient. Et puis... J'aime pas quand il y a des gens qui appellent parce que j'aime pas parler aux gens au téléphone. Je sais, je fais pas le bon boulot pour ça. Ouais, ok, ils sont où? Voilà. Alors d'abord tu me rends mes émolites et ensuite on en reparle. Merci. Voilà. C'est moi ou ça fait un petit jet de sang quand je les frappe comme ça? Pour récupérer les émolites, je veux dire. Je déteste les squelettes bleus. Je sais pas pourquoi ils me donnent tellement plus de mal que les autres, mais... Non, non, reste dans la lave, tu y étais très bien, je t'ai déjà dit.
Il me manque un ennemi. Bah voilà. Non, le cône de chantier, tu priais de dégager. Atterris dans la lave, tiens, ça t'apprendra. Non ! Bâtard. Reviens. Ouais, il se barre avec mes hémolydes, vous vous rendez pas compte là ? Ah, marre du Covid. Non, mais attends, t'as chopé le Covid ? Non. Si ? C'est pas que t'as chopé le Covid quand même, quand je... Ah ouais, faut que tu me rassures. Après, oui, oui, on est d'accord que ouais, la situation de façon générale est fatigante. C'est... Ça n'aide en rien. J'ai quand même allé chez... Steady now. Je suis pas sûre si je suis au niveau de l'hydre déjà ou pas, j'ai pas du tout fait gaffe. Donc dans le doute, je crois pas. Hein. Non. Ok. Tout va bien. Ah, je suis bien tentée, mais... Non. Faut pas abuser. Nora, surtout, je commence à péter un câble, ça fait un an que je sors plus... Oui, bah ouais, je comprends. C'est... Je dirais que le seul avantage d'être... on va dire, introverti, c'est que, quelque part, ça rend pas les choses plus supportables. Mais... Enfin, un peu quand même. Mais ouais, ne pas sortir pendant un an... Moi, même des petits trucs simples, du genre... Je sais pas, t'allais te poser dans un café de temps en temps, des bêtises comme ça, c'est... C'est pas grand-chose, hein, mais ça manque. Mais arrête de te planquer. Je sais forcément si elle bouffe mes hémolytes, elle. Bon. Faudra que je la tire. Allez, viens. Je vais arriver, hein. Je vais y arriver, je vous garantis. Ouais, alors je veux pas dire, mais la résistance au piège... Je sais pas si la lave compte pas pour un piège, j'en sais rien, mais je la vois pas trop. Hein. Enfin, je vois pas de différence pour l'instant. Voilà. En même temps, j'arrête pas à marcher dans la lave, ça aide pas. Hein. Ok. J'espère que Artemis va me filer un truc sympa. Tes bienfaits sont les seuls moyens, bien sûr. Celui-là va être bien. L'assaut, je vais pas l'utiliser des masses ici, donc bof. What do we have? On va prendre un petit peu de trucs. Ouais, ça sent encore le la série de bienfaits sans aucune synergie. Ah ouais, mais en fait, j'ai que quelque chose sur le lancer, moi. Bon, remarquez, c'est surtout ce dont j'ai besoin, donc. Barge of death, you're here. Mais j'ai pas l'habitude de pas avoir des trucs sur tout. J'avoue. Du coup, d'ailleurs, en France, ça se passe comment? Parce qu'ils ont de nouveau un petit peu durci les choses, non, il me semble. Ou alors j'ai encore rien suivi. Parce que déjà ici, c'est pas évident à suivre, alors bon. Je vous avoue, dans les autres pays... Ah, c'est visé. Zagreus, c'est le tir assisté. Hein. C'est pas exactement ça encore. Il peut pas péter lui? Oh si. Le cristal qui gicle par-dessus le mur là, tranquillou. C'est assez fun. Gros, 4 semaines de confinement, puis ça se relaxe fin avril, début mai, ouais. Ouais, le truc c'est que à chaque fois je veux rentrer voir mes parents. Mais on n'est pas du tout aligné entre la France et le Royaume-Uni. Donc quand ça se relaxe en France, nous on est en confinement. Et quand nous ça se relaxe, bah la France elle est en confinement. Donc
ça devient juste impossible de planifier quoi que ce soit, quoi. Donc, bon. Une fois de plus, je sais pas si j'arriverai à rentrer, ça va faire un an et demi que je les ai pas vus quand même. C'est vrai que ça devient un peu lourd. Bon, bah écoutez, je vais prendre l'élan foudroyant, hein. Au moins, ça servira sans que j'ai rien à faire. J'ai bouffé il y a 2 heures, j'ai déjà faim. Ah, j'ai oublié mes chips. Bon, c'est pas grave. Tant pis pour moi. Ouais, ça sent pas la super synergie bien logique, on va dire. Tant pis. Il me manque un émolite, il est où? Il est là-bas. Oh la salope, elle les a tous bouffés, elle les a pas rendus. Bon, bah va falloir que j'attire les gorgones un peu plus bas. Mais il y en a partout de ces merdes. Voilà. Ah, tout ça pour récupérer des émolites. Hein. Voilà, il y en a encore une ici. Fou. Mouaf. Faut quand même augmenter celui-là parce que... T'as un investissement pour l'avenir. J'ai entendu un bruit mais je ne sais pas ce que c'est. Ok, j'ai dû rêver. Là par contre ça va sentir l'hydre donc on va peut-être aller chez Caron voir s'il a un sandwich. Ou une grenade ou autre chose. Ah bien sûr que non, hein. Donc je vais être réduite à prendre ça pour gratter quelques PV et lui on va le monter. Allez go Lerny, yeah, je commence à la connaître par cœur la pauvre. Si une fois tu penses que tu vas perdre. Et tu perds toujours Lerny. Alors faudra juste que je lui mette pas les émolites. Mais comment ça j'en ai... Où est-ce qu'elle est la troisième? Ah elle est là! Voilà. Il est où le machin bleu débile? Ouais, peut-être que je pense à buter les hydres, ça pourrait être cool. Mais où sont mes émolites? Il y en a une là. Sont où les autres? Ok, j'en ai retrouvé une, c'est bien. Ah, ça va. Voilà. Parce que bon, rouge sur rouge, hein, ton sur ton, là, comme ça, c'est moyennement évident. Bon. Du coup, c'est encore elle qui les a. Ouais, il me saoule un peu les squelettes bleus, là. Ah, il y a des cônes de chantier cette fois. Tiens, ça faisait longtemps. Mais non, c'est pas Lerny que je voulais frapper, c'était ce truc. Tristesse, ce moment de tristesse infinie où mon émolite reste coincé dans l'hydre. Heureusement qu'elle en est sortie cette fois, mais... L'autre fois, c'était un peu pitoyable quand même. Et j'en ai à chaque fois une qui va se perdre, je ne sais pas où. Alors, où que t'es à toi? J'aime beaucoup quand même la musique au niveau de l'hydre, elle est très sympa. Voilà. Non, Lerny. Ah oui, j'ai pas d'appel sur ce coup-là, forcément. Oui.
allez vous casser, moi, je vous dis, hein. Où est le troisième? Je le trouve plus. Je trouve plus mon troisième émolite, là. Où est-ce qu'il était passé? En tout combat, je le trouve plus. Oui, certes. Bon, ouais, c'est un peu laborieux cette fois, hein. Autant c'est allé vite sur Thésée avant, j'espère que ça passera vite aussi cette fois. J'ai dit je prenais quoi, le gland? Je suis moins satisfaite des bienfaits quand même là sur ce coup. Hein. C'est pas pour dire, mais bouf. Bouf, bouf. J'ai même rien sur la technique, je crois. J'ai quelque chose sur l'élan? Ouais, j'ai Zeus. J'ai Zeus. Ça va. Merci de me dire que je suis arrivée à Élysée. Yes. J'ai pas fait gaffe, je suis combien de points de vie, je suis à plus de... Ouais, ça va. Oh non, mais... Me dites pas que je fatigue déjà, quand même. Je sais que j'avais une longue journée, mais bon... C'est... Il y a une limite au pitoyable. Non? Non? Dites-moi qu'il y a une limite au pitoyable, s'il vous plaît. Ok, alors cette fois, le troisième, il est là-bas. Je l'ai pas raté. Viens là. Je déteste les papillons. Dites-moi par contre qu'il n'y aura pas de papillons sur Hadès, parce que sinon, ça risque d'être chaud. Hein. Ok. Un joli petit cœur. Je suis en train de me dire, je viens de voir le message de Wisebot, mais j'ai toujours pas fait de vidéo cette semaine. Ça va faire 3 semaines, j'arrive juste pas en fait à pondre un script potable, quoi. Donc, bah. Pff, désolé. En même temps, c'était peut-être ambitieux de viser une vidéo par semaine. Il y en a, ils font ça à temps plein et. Moi, je peux pas, donc. Peut-être que c'était juste idiot de ma part. Ah, il y a un coin de pêche. Faudra que je pense à aller pêcher tout à l'heure. Mais... Faut vraiment que j'apprenne à mieux les éviter, eux. Hein. Parce que pourtant, ils sont pas compliqués, mais je leur fonce quand même dessus débilement à chaque... Mais... C'est pas toi que je voulais toucher, espèce d'idiot. C'était le papillon dégueulasse. Voilà. Just a bit longer. Ok. Ah, il y avait un char, je fallait pas le voir lui. Pourtant il est gros, hein. Faut y arriver à pas aller voir les chars. Il y a vraiment que moi qui suis capable de cet exploit. Bon, toi tu me saoules. Voilà. Ah, le lancer boosté, y a pas à dire, c'est quand même un peu mieux, hein. Quand c'est quand l'aspect est à autre chose qu'au niveau. Hein. J'avais dit quoi, c'était 40%? C'est dur YouTube, ouais. Bah c'est surtout dur de faire des trucs à minimum qualitatif régulièrement. C'est... La pêche, ouais, merci. Ça y est, j'ai pas oublié. Et j'ai même réussi. Belle charpe. Mais ouais, non, mais c'est... Là, faut dire aussi, on a plus, il y a plus d'appels, il y a plus de clients qui font des tickets, donc je suis plus fatiguée aussi le soir. Et c'est vrai que ben j'ai pas forcément la tête à faire un script. Et comme j'ai pas envie de faire de la merde, ben, je préfère ne rien faire que de faire de la merde, quoi. Enfin, quand je dis de la merde, on est d'accord, j'entends par là des trucs qui sont moins bien que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je commençais par Poséidon. Little ladies, mais je t'emmerde. Je te proute.
Petit Hadès, non mais... mais je t'insulte pas! J'ai juste dit qu'aujourd'hui, Poséidon, c'était mon tonton préféré. Ah, bah évidemment, hein, Zeus, si tu fais du drama pour rien... c'est clair que... On va pas y arriver, hein. Je me tâte pour utiliser le compagnon, mais en même temps, contre les attaques de Zeus, je suis pas sûre qu'elles vont aller le frapper. Ah, quoique. Quoique. On va essayer. Ah ouais, elle le frappe lui. Skelly, c'est quand même le gros mazo, quoi. Bon, par contre, il dure pas longtemps, faut être honnête. Ah si, il est encore là. Il était encore là, le monsieur. Ah, je crois que là, il s'est fait buter, par contre. Je sais pas pourquoi, mais... Cassos, cassos. Yes. Bon, je suis pas morte. Ou mort, je sais pas. Passe. Soutien de Zeus. Je veux dire, à défaut d'autre chose, je vais prendre le soutien de Zeus. Ça me fera toujours un soutien. J'aurais peut-être dû aller chez Caron. Bon, tant pis. Soul-sucking butterflies. Comment il appelle ça, les papillons mangeurs d'âme? Soul Sucker, voilà. Rends-moi ça à toi. Quoi? Il avait déjà tout bouffé, lui? Ouh! Je me suis pris la volée de papillons, là. Je sens que cette run, elle va être difficile, je sais pas pourquoi. J'aurais pas dû aller dans cette salle. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont chez lui? Voilà. Ah, mais je vais crever là-dessus, c'est pas possible. Je vais sérieusement crever? Non. Allez. Reste 2 points de vie, je peux le faire, non? Non? Oh, là j'ai eu de la chatte. Ah bah non. Petit refus de la mort. Joie et bonne humeur. Où est-ce que je... Où est-ce que je vais avec mes hémolithes? Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'elle est plus laborieuse que la précédente run, hein. C'est... ça par contre ça me va bien vu que maintenant j'ai enfin un soutien. Marteau hein, forcément. Enfin je dis forcément. Ah, ça sent la fontaine. Pas l'âme maudite hein. Pas l'âme maudite avec cet aspect vu que j'utilise jamais l'attaque. Donc faut prendre celui-là. Et on va aller chercher du petit nectar. Alors, venez là, vous. Ouais, bah c'est vrai que c'était sympa tout à l'heure avec les... Quand j'en avais 4 des lancers, hein. C'était pas dégueu. Jamais bien. Viens là, toi. Ah! Il fallait me faire sauter sur la bombinette, hein. Prends-moi ça. Non, ne viens pas m'embêter, toi. Ok. Non, mais les papillons, je sais pas ce qu'il a le jeu avec les papillons, là, mais... Entre le boss et puis les 3, là. Ouais, reviens pas, t'as raison. Ça m'embêterait beaucoup que tu reviennes, parce que je suis déjà à moitié canée. Voilà. On va s'amuser un petit peu avec tonton. Bah alors? Il y en avait encore un?
Ah bah oui, il y en a encore un qui se planque là. Je sais pas pourquoi, mais... Ouais, ça se passe moins bien. Bon. Il y a rien de spécial ici. Non. Alors, cœur ou Athéna, on va aller chercher un cœur. Hein. Parce que je pense que de la life, j'en ai un peu besoin. Tout petit peu. Vous le sentez, le niveau de fatigue, là, qui monte? Je sais pas. En plus, ils sont en armure, ces bâtards. Oh là là. Oh non. Ok. Not now. Purée. Ces petits papillons de mec. Force du centaure. Ouais, je suis contente, j'ai la force du centaure. Maintenant, si je peux voir la vie du centaure aussi, ce serait bien. On va aller récupérer ça. Mais... Non, mais si je tire sur les murs, ça va pas le faire. Hein. Non ? Pas trop, hein. Bon, j'espère qu'il y aura pas d'autres... Pas de petits chars de nouveau ou de papillons qui vont apparaître en plus d'elles. Parce qu'elles, elles sont déjà un peu galères. Évidemment, j'en prends une. Oh, j'ai pas de petits chars, j'ai un gros char. Ok, d'accord. D'accord. On va essayer de récupérer sans se faire frapper. Yes! Je crois que j'ai réussi. Ok. Est-ce que je peux monter le lancer? Bien sûr que non. Bah, on va peut-être monter celui-là, du coup. Histoire de bourriner sur bah, justement la sortie du lancer. Pff, non, c'est pas de la life. Ça m'aurait arrangé que ce soit de la life, mais... Tapis! Toi, t'as intérêt à avoir un sandwich. Si pas deux. Sérieux, là j'arrive sur Thésée avec 118 points de vie. Bon, je dis ça pue du fion. Bon. Oh, le duo il me tente même pas en plus. Je vais plutôt prendre celui-là quand même. Delicious. Bah décidément, il veut pas que je monte mon lancer, hein. Let's see what else. Voilà, c'est mieux comme ça. Et un peu de thune. Je pars quand même vachement moins bien, je trouve. Hein. Vais-je reprendre... Alors avant, c'était quoi, premier run pourri, la deuxième run était bien, maintenant c'est un peu l'inverse. Les deux plus grands combattants de l'Elysée, ouais... T'as pas de doute, toi, hein. Ah ouais, d'accord, déjà. Commence comme ça. Il est où? Il est là. Ok. Non! Faut pas que je cours dans les obus. J'utilise un peu beaucoup le blanc, je trouve. Astérion dans son armure d'or avec son jetpack. Oh non 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 non, pourquoi je vais là-bas? Au moins j'aurais pas gaspillé un appel sur lui cette fois. Voilà. Où qu'il est?
C'est maintenant qu'il me lâche mon hémolyte. Qu'est-ce que tu racontes de nouveau, Tézel, hein? Qu'est-ce que tu baves? Où est-ce qu'il est, Astérix? Ah, il est là. Ah, Tézel, il a un hémolyte. Zut. Je crois que j'ai plus la protection du gland. Hein. Ouais, effectivement. En même temps, c'est vrai que le gland de protection, c'est pas terrible comme surnom. Aïe. Ça pique! Comment ça, Tézé? Allez donc! Il en veut, Astérion, hein? Là, voilà! C'était mon ami, sale pourriture, mais j'y crois pas. Ah, Thésée! Nous sommes dans une arène, nous sommes là pour nous battre. Bien entendu que j'allais poutrer la gueule à ton ami, qu'est-ce que tu crois? Enfin, mon appel, je le garde pour après, enfin, j'espère. Elle m'a roulé dessus avec le char! Oh là là! Je crois pas, elle m'a roulé dessus. J'arrive pas à l'atteindre d'ici. Voilà, c'est surtout ça que je voulais. La pote des amolettes. Qui est maintenant? Normalement là, il devrait pas pouvoir me toucher. Normalement. Ah zut! Courir derrière Thésée. Le truc passionnant quoi. Voilà! Ah Thésée, ça m'éclate à chaque fois qu'il se retrouve par terre comme ça, comme un gros débile. Enfin, j'aurais préféré Artemis hein, pour pas changer. C'est quoi qui m'a touché là? Ok, ouais, elle est mal partie cette run. Hein. Là. Comment ça? Non. Oh, mais les doubleurs, comme ils ont dû trop se marrer en faisant ce truc. Ça. Noirceur des obsidiennes. Moi, je les trouve plutôt violettes, mais bon. C'est juste moi. Ok. Ben, on va reprendre le crâne, parce que vu ce qui me reste, j'arriverai pas avec mon maximum de refus de la mort, je pense pas. Mouef. Mouef. Je suis pas convaincu par cette run, hein. Ouais, je voulais vraiment me concentrer sur Poséidon Artemis. Je veux pas dire que Zeus c'est pas cool, mais là. C'était pas les mélanges que je voulais, on va dire. Au moins il y a du poisson. Oh, vous savez quoi, j'ai envie de m'acheter des poissons panés là. J'en ai pas mangé depuis des années. J'ai pas bouffé de poisson pané depuis que j'ai quitté l'Écosse. C'était en 2017 quand même. Wow. Bon, on est d'accord que les poissons panés, bien entendu, c'est de la merde, hein, mais c'est vous dire à quel point je peux avoir des goûts bizarres des fois. Bon, bah, on va aller chercher le cœur. Hein. Il faut d'autres choses. Ah! Je sais pas pourquoi, mais... je souffre. Je vais laisser bonne soirée tout le monde, je croise les doigts pour Hadès, tu vas nous poutrer. Peut-être pas ce soir. Hélas, à mon avis, pas ce soir. Mais déjà, avec 4 refus de la mort,
J'y arrive pas, alors avec deux. Mais je vais essayer. Je peux... Ce que je peux vous promettre, c'est d'essayer encore et encore. Comme dit, entre Hades et Hollow Knight, je me forme bien à la souffrance et au tryhard. Hein, donc, ça m'aura au moins appris ça. Rêve, pourriture de cristal. Non mais oh. Bon après en vrai je sais pas si je vais durer très longtemps ce soir mais on va voir. Not yet. Ouf. Il y a un truc qui a chouiné, je sais pas ce que c'était. Je crois que c'est ça. Les rats là qui marchent tranquillou sur les pièges, hein? Je vous dérange pas là quand je suis là? Non? Je dis ça, je dis rien, hein? Voilà. Moi j'ai réussi à pas trop me faire bouffer par le poison. Ah ouais, je crois que pour une fois j'ai évité le poison d'ailleurs. Merci Azeila. Il en faut du courage, on est d'accord. Il en faut du courage pour ces jeux. Et de la thune. Trouver de la thune. Il est où la sortie là? Back I go. Alors, qu'est-ce qui me reste? Ben du popo, hein. On va aller chez tonton popo. Allez, petit raton. Ah, ah, ah! Il n'y a pas de baiser du Styx, mais il y aura ça. En espérant que ça me soit utile. En fait, c'est pour ça que j'aime bien le lancer de Poséidon, parce qu'il en fout partout. Donc dans ce genre de pièce, par contre, c'est vraiment pas mal. Bon, les ratons, là. Hmm. Non, mais... Ok. Ben... Ouais, bah j'ai que deux refus de la mort, hein. Ça va être vite vu, malheureusement. Je sens que ça va pas être satisfaisant. Alors, en précédent, je me tapais les c'était quoi les gorgones et les papillons? Je fais d'accord. Le jeu m'a pas aidé sur ce coup-là. Bon, bah on va prendre les deux œufs, ça. Allez. On prend ça. Vous la sentez, là, la conviction? Allez. On se le tente. Et je verrai si je repars sur une troisième run après. Parce que j'ai pas envie de m'arrêter sur un stream de même pas 2h30, ça serait un peu con. Qu'est-ce que j'ai sur la face, moi ? Looks like the realm needs some adjustments still. J'ai l'impression que j'ai un truc sur la tête ici, ça doit juste être la lumière. Allez! Ah! Les obsidiennes! Snifou, snifou! Va falloir que je les évite, hein. Ah! J'ai un mauvais timing pour ça. Ouais, j'ai cru. Pourquoi j'ai cru qu'on était en phase 2 déjà? Ok, je les ai évités, je crois. Non. Bon. Défaut d'autre chose, on va utiliser ça. Ouais. C'est pour ça que franchement je préfère l'appel d'Artemis. Hein. Quand on joue sur le lancer, faut jouer sur la distance. Donc bon.
C'est vrai que les soutiens où je dois rester à côté d'Hadès, ça le fait moins. Ok. J'arrive à le mettre en phase 2 quand même? Ou pas? Ah. Bah rendez-moi ça au moins. Attends, je devrais savoir quand il réapparaît là, il balance son bidon. C'est pas un trident, c'est un bidon. Oui, je sais, je vais rentrer dans ma chambre, aller admirer mon poster d'Aphrodite à moitié à OLP et puis mon poster de mon grand mon artiste préféré Dionysos. Ah, je me les prends tous là. Waouh. Ouais, non, l'appel de Zeus là sur Hadès, ça le fait. Bon, bah au moins ça s'est réglé. Je vais peut-être retenter une troisième run quand même, j'espère que je suis pas trop naze, mais on va voir. Bah celle-là, je la sentais pas, faut être honnête. Elle était quand même moins bien partie. Ah! Ouais, c'est à peu près ça, il y a Gigi. Mais tu sais, j'ai tellement l'habitude, ça fait depuis novembre hein, que je fais que des jeux auxquels je crève tout le temps, donc. C'est. Limite, quand j'ai du skill, je suis presque déçu parce que je me dis ça me ressemble pas. Hypnos l'a pas accueilli. Quoi? Je pensais qu'il y avait un lien, quelque chose entre nous ces derniers temps, vu que vous mourrez de plus en plus et que moi je reste ici. J'avais toujours cru que vous étiez invincible. Oh putain. Oh, maintenant tu dis que l'image que tu faisais de moi venait entièrement de ton imagination. C'est juste qu'avec tous mes conseils, je pensais que vous remettriez à tuer Zagreus plutôt que l'inverse. Les choses n'ont pas tourné comme je l'espérais. J'ai presque l'impression que tu viens de rompre avec moi, mais tu es sûr que ça va aller? Ah, ils étaient ensemble? Ok, c'est mieux que de devoir accueillir des ombres sans arrêt, me parle jamais, ok. Bon. Allez, vas-y, flirte avec Hypnos. Je pense que le plus simple, c'est Poséidon, Artemis. Bah c'est ce que je voulais, en fait, ouais, c'est ce que je voulais faire. Sauf que... Bah j'avais des trucs entre, qui m'arrangeaient pas forcément, mais bon, c'était ça ou rien, donc... Non, mais je vise Poséidon, Artemis, on est bien d'accord. Ok, ouais, je crois que eux, j'ai vraiment épuisé leur dialogue. Qui c'est qui me reste à aller voir? Tiens, il y a encore des trucs à me dire, lui. Ah, ouais, je me suis mêlée de ce qui me regardait pas, ok. Je me suis rendu compte que vous aviez des problèmes, je voulais juste que vous les régliez, mais ce n'était pas mes affaires et tu ne m'as jamais demandé d'aide. Elle non plus, j'aurais pu aggraver les choses. Ouais, mais bon... En vrai, si Zagreus s'en était pas mêlé, ils seraient encore malheureux tous les deux, donc... C'est ça, j'aurais pas su demander de l'aide. Ah voilà. Ok, faut que je pense à aller vendre ma poiscaille. Reste imperceptible. Ouais, merci du conseil. Ah, je suis trop content. Après, plutôt que j'arrête de mourir, ce serait mieux, mais... Ah, bah je remonte un peu sur les nectars. C'est plutôt pas mal. Allez, je réessaye une dernière fois. Enfin, je dis une dernière fois bah, pour ce soir, évidemment. Donc, on disait Popo. Je vais quand même garder celui-là. Qu'est-ce qu'il me reste en... Ouais, non, j'ai pas assez de... J'ai même plus de... d'ambroisie du tout. Time to go get killed again. C'est exactement ça, on va retourner se faire tuer. Yes. Ah, le jour où je le battrai à Hades en V2, mais ça va être la fête. Hein. Là, je sors le pinard. Faire des fucks. Non, mais arrête les jeux de mots, tonton, s'il te plaît. Mais merci pour le tir. Il n'y a pas de poisson, hein. Non, il n'y en a pas. Poum poum. J'aime bien retrouver le truc de chaos là où ça me faisait 4 lancers, c'était
plutôt pas mal. Alors, un cœur et de la thune. Bon, on va prendre le cœur. C'est vrai que là, comme j'ai pas les 50 points de l'aspect d'Arthur, ben... Voilà. Ouh, c'était tranquille ou ça? Bon, par contre, je sais pas viser, comme d'hab. Hein. Boum. Allez, emballer c'est pesé. Sinon c'est un peu de chance, je peux tenter le duo Déméter-Artémis. Avec l'aspect de Poséidon, tiens, ouais, j'ai jamais essayé ça. Déméter-Artémis, il fait quoi de nouveau? Faut que je regarde. Dit-elle en marchant sur des pointes parce que lol. Voilà. Donc on disait, ouais, le duo Déméter-Artémis. Mais non, reviens là. Purée, je me souviens plus duquel. Une fois que je l'aurai vu, je saurai ce que c'est. Ah ouais, mais j'ai pas eu l'âme de chasse, tiens. En même temps, je prends jamais du Arès, donc... Le duo Déméter-Artémis, il marche qu'avec le cristal. Ouais, je crois que j'avais déjà eu... Celui de la clarté cristalline, ouais. Ouais, alors là, je suis plutôt partie sur du Poséidon Artémis, faut être honnête. Mais c'est vrai que ça peut être sympa. En fait, le truc, c'est que Déméter-Artémis, je l'avais déjà fait pas mal de fois avant, comme le duo et puis les... Déméter-Athéna aussi, parce que le duo est carrément sympa. Je vais voir K.O. Allez, je vais voir K.O. Right. Ce piercing, il gratte, c'est horrible. C'est peut-être pour ça que j'ai envie d'en refaire un autre. Oh, une petite jarre. Mais ouais, c'est une idée aussi, Déméter-Artémis avec l'aspect de Poséidon. Ça peut le faire. Confusion favorable. Ouais. Brume agressive. Ah, mais celui-là, sur le lancer. Je vais tenter celui-là. Les aperçus de récompense de chambre sont cachés. C'est pas GG, mais bon. De toute façon, ça va être des clés, des gemmes et des obsidiennes. Allez, j'espère que j'ai pas fait une connerie. De toute façon, quand il y a que un choix, ça changera pas grand-chose à ma vie. J'aime pas ce que j'ai pris, c'est des obsidiennes. Ah, McFly et Carlito, bonjour les copains. On va éviter de pas sauter, hein. On va essayer de pas sauter, pardon. Voilà. Un de moins. Non, mais on est d'accord qu'effectivement, sur le lancer, c'est carrément sympa comme méthode. J'ai pas forcément beaucoup de skills, hein, parce que, après tout, ben, c'est ma marque de fabrique, mais la méthode est sympa. J'aime vraiment bien. Ça fait le café, ouais. Ah. J'ai mentionné en début stream, t'étais pas encore là, mais pour Noël, visiblement, comme au bureau, ils avaient du budget en plus, hein, vu qu'on peut plus faire des soirées pub, pizza et compagnie au resto. Donc ils nous ont offert divers cadeaux. On pouvait choisir, et moi j'ai pris une machine à café Nespresso, et ils me l'ont livré hier. Alors, le machin, il est génial. Et en plus, j'ai une caisse entière avec des capsules, quoi, parce que les capsules, comme ça coûte la peau du fion. Je fais, ah, c'est trop beau, quoi. Je l'ai pas encore essayé, parce que là, je l'ai bien nettoyé aujourd'hui et tout. Et demain matin, j'essaye. Là, voilà. Alors, du Aphrodite. Comment dire? Je vais prendre ça, parce que celui-là, par contre, ici, il est bien. Sur Tartare, il est cool. Au moins, il servira, celui-là. Alors. J'avais dit que je sais pas viser, même avec le système de visée assistée. Mais... Prends-moi ce truc. Voilà.
Vomis-moi là mes émolites, tranquillou. Ouais, quand ils sont en armure, c'est un peu chiantos, hein. Ah, je me suis même pas fait toucher comme une grosse bite là par la boule qui se promenait. Ça me surprend. Ouah, des clés. Ouah, trop beau. Ces clés, j'en ai vraiment pas besoin là. Ah, ça y est. Ouais, donc du coup, les récompenses de chambre cachées, ça change vraiment rien vu que de toute façon, j'avais qu'un choix à chaque fois. Donc, bon. Comme dit, je peux vivre avec ça. Bruit qui fait. Bruit qui font ces ennemis, c'est juste dégueu, mais. On aurait pu rester pété dans le truc, là, ça aurait été cool, mais. Allez, les bombinettes, la viser un peu mieux. On va surtout eux, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Voilà. Et une petite grenade sur le lancer? Yeah, enfin, en même temps, il y a que ça que j'ai. Rien d'autre que le lancer, c'est nul. Ah, pourquoi je croyais qu'il y en avait un deuxième derrière? Bon. Ouais, ça va, c'est tranquille là. C'est. Tartare, ça devient pépouze avec ce truc, je veux pas dire, mais. Quand je me rappelle, mais le mal que j'avais au début, quoi. Je suis même pas arrivée. La première fois, je suis pas arrivée au boss, quoi. Je pense que c'est ce qu'on appelle faire des progrès. C'est impressionnant. Savoir que moi, je peux faire ça. Moi, je vais chercher la grenade, parce que là... Vu le peu de pognon que j'ai, ça servira pas... Ah, non! Je croyais que c'était le boss. Ah bah non, c'est bien que je suis pas allée chez Caron, justement. Je vais y arriver. Voilà. Toi, t'es out. Toi aussi. Voilà. Ah, ça poutre bien, j'aime. Comme ça, je peux faire acte de finesse, c'est-à-dire pas grand-chose. Good enough to eat. Future... Ah, 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 poisson! Denizens of the deep, arise. Alors ça, c'est de la pêche dramatique, quoi. Là, je verrais bien Zagreus dessiner avec dans le style de Jojo, là, et qui font... like fish of the deep, arise. Si je savais dessiner dans ce style-là, je le ferais trop, quoi. Au moins, j'aurais une fontaine. Ce petit... Un marteau. Ah bah on va prendre le marteau puisque j'ai pas besoin d'aller chez Caron. Bah voilà. Déluge de lame. Non mais lame maudite. Non, pas avec... pas avec ça, quoi. Quand vous frappez... Ouais, j'ai des trucs de l'attaque, c'est un peu nul. Je peux rien reroll là-dessus. Mouais. On va prendre celui-là, mais... Matière de marteau, j'ai déjà eu mieux sur cet aspect. Hein. Aïe, c'est les trois. J'aime pas quand c'est les trois. Je te dis, tu gardes ça pour la chambre, Meg. Là. Ah! Et c'est comme ça que tu commences! On va éviter le Beyblade, ça sera cool. Mais où est-ce qu'il est réapparu? Où est-ce qu'elle me l'a lancé celui-là? Ah zut! Ah oui, forcément, faut qu'elle ramène des copains! Histoire que ce soit eux qui se prennent mon lancer, que je le gaspille sur eux, hein.
Ah, il m'a largué un hémolyte. C'est toujours ça de pris. Zut! Où qu'elle est? Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas encore terminé, ouais. Ah, Tisiphone, je vois plus rien avec tes conneries! J'ai quand même mes 3 émolis, donc tout va bien. Ouais, Mégère, elle l'a mauvaise, hein. Ah! Voilà. J'ai pas vu ce qu'elle m'a dit, tu ferais mieux de... J'ai pas vu. Well, it's been lovely. Ouais. Bon. Au moins j'aurais pas canné bêtement là-dessus. Donc on avait dit Artemis. Oui, j'ai survécu aux Irini, papa, oui. Moi. Je vais rien prendre. J'ai mes petits trucs favoris là-dedans et ceux-là n'en font pas partie. Toum toum. Change of scenery, at least. Ouais, on va dire ça comme ça, changement de paysage, quoi. Pourquoi pas. J'ai droit à quoi, là? Je me disais, mon truc, mon lancer fait plus de dégâts, mais c'est vrai que je l'ai augmenté, donc... Entre cette run et la précédente, je veux dire. Donc ouais, ça sert. Arrêtez de me péter dessus! Méchant. Je peux toujours pas offrir de l'ambroisie. C'est peut-être parce que j'ai pas d'ambroisie que j'ai pas le choix de lui en offrir. Maintenant que j'y pense. Merde, c'est peut-être ça tout connement. Oh non, ce serait... je vais quand même voir. Hermès? Ah non, c'est quand même verrouillé pour lui. En vrai, j'ai malheureusement quand même l'impression que je vais devoir battre Caron 2 fois de suite pour débloquer Hermès. Ça va être chaud. J'arrive déjà pas à le battre une fois, alors bon. Enfin, si je l'ai battu une fois, genre sur 6. C'est pitoyable. Prends-moi ça, et toi aussi. Oh, quand il a placé des dégâts avec sa bombe, là, l'air de rien. Oh là là, le petit salopio. Mais... Il y a une visée assistée, ce serait bien que ça serve à quelque chose, quand même. Où qu'il est, le dernier? Où qu'il traîne? Le petit Zagreus attend son émolite à l'accueil. Mais j'arrive pas à viser, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. You found me, Artemis. Oh, c'était ridicule. Si je chasse des morts, il y a rien d'autre ici. Bah, on va prendre plaie ouverte, hein. On va aller chez l'ami sur Edis. J'ai dit, j'ai vraiment rien d'autre que le lancer, mais c'est vrai qu'à part le lancer, la technique sur ce coup... Bon, les lances, ce serait bien quand même. Juste pour faire des dégâts en passif, quoi. Ah, bonjour tous les deux. Orphie est pas doué en cuisine. Ouais, ouais, tu fais la cuisine, il chante. Ouais, ça va aussi. C'est quoi, ben... ça va vite vu, hein. Ah, c'est même pas le lancer, tiens. Bon. C'était même pas ça. Bon! Oh là là. Je déteste quand ça se passe comme ça. Où sont mes hémolites? Putain, c'est pas...
Je vais crever sur ces conneries en fait. Pourquoi elle est bleue l'autre? Ah non, elle, elle a encore un. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Je hais ce terrain. Non mais voilà, bon, du Dionysos c'est bien, mais... Ça fout un peu en l'air mon build, quoi. Alors déjà comme ça, il était pas forcément terrible, mais alors là, ça m'aide pas, quoi. C'est peut-être la run de trop ce soir, je sais pas. Ça c'est le truc hyper frustrant, c'est d'être toujours tellement fatigué que même un pauvre stream de 3 heures, des fois, c'est difficile. Alors que je voudrais faire plus, quoi, mais... C'est pas je me force à jouer ou quoi que ce soit, au contraire. C'est même plutôt j'ai tellement envie de jouer que je joue même quand c'est trop. Quand je suis trop crevée et c'est frustrant. Où est-ce qu'il est? Mais non! Heureusement qu'il y a des éléments du décor entre pour intercepter, mais... Ah oui, on peut pêcher dans un coin de lave ici. Ok, je crois que c'est la première fois que j'ai ça. Ou du moins que je le remarque. Ah, oh, ça fait bloup bloup rouge, c'est dégoûtant. Allez, allez, je te file-moi ce poisson. Du magmas, ouais. Ou une magmas. Qu'est-ce qu'il faut que je récupère, moi? Bah, la thune. Excellent. Poséidon, Aphrodite... Pas motivé. Je vais tenter Ereb pour un cœur parce qu'en vrai, 175 de life, là, c'est un peu... Et comme j'ai le bonus d'Aphrodite sur les cœurs, ce serait dommage de pas le faire. Oh là là. Oh là, je sais pas ce que ça va donner. Ah, merde. Ben... Pff, voilà. Ça, c'est fait. Merci, papa, de me dire que j'ai échoué. J'aurais peut-être mieux fait, finalement, de prendre l'épreuve des dieux, hein. Pour moi, j'aurai 2 PV, c'est déjà ça. Ben du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher une grenade. Mais ça m'embête pour le cœur. Ça m'embête bien. Non, je suis pas... Ah non, je suis déjà allée. Bon, bah je vais perdre un refus de la mort là-dessus. Avec ce que j'ai en life. Si elle me ramène des merdouilles là qui tombent du ciel... Bon, en même temps, les roses, je sais pas si elle fait ça contre les roses. Ok. Bon, là, elles vont toutes me cracher des trucs à la face. Ok, une de moins. Et il en reste encore une là. Ouais, mais je pense que je passe un... je passe un refus de la mort là-dessus. Ah, il y a de la thune. Moi, je pense à le récupérer, lui. Ça s'est esquivé. Mais où qu'il est le troisième?
Je perds toujours un émolite quelque part et je le retrouve pas. C'est hallucinant. Toi, va mourir. Bon, ça va, c'est pas aussi chiantos que quand elle balance les œufs. En vrai, un petit appel, ça aurait été cool, mais bon, on peut pas tout avoir. Rappelez-moi de pas rester dans la lave. Voilà. Bah en fait j'ai récupéré la jarre. Ok, cool. Comment vous dire ? Hadès, c'est pas pour ce soir à ce rythme-là, hein. Mais genre pas du tout. Ça fait longtemps que ça m'était plus arrivé de taper un refus de la mort aussi connement quand même. Tout ça pour ça. Bon, bah le gland, et j'ai toujours pas finalement eu les trucs qui m'intéressaient de Artemis. Hein. Ouais, 186 PV pour en plus avoir récupéré le bienfait d'Aphrodite qui me fait des cœurs de centaure plus efficaces. C'est pas GG, hein. C'est pas GG du tout. Bah le deuxième marteau, j'espère qu'il sera mieux que le premier. Faut que je me trouve le machin là dans le puits de Caron qui fait que pendant X chambres, on n'a pas des chars qui miaulent. Ah ! Voilà, c'est bien, prends-toi ça dans la face. Ah ouais, on commence avec un pavoiseur, tranquille. Mais rends-moi mes émolites, toi. Voilà. En vrai, j'aurais pu le laisser se faire tuer par le rayon, ça aurait été plus pratique. Ah non! Non! Je suis coincé dans le mur! Prends-moi les monstres papillons, décidément. Ils ne réussissent pas. Nova percutante, non. Bah, entre un truc pourri, un truc pourri et un truc bof, on prend le truc bof. Hein. Choisir entre les deux. C'est vite vu. Ça va, il se réarme pas. Si. Moi, non. Oh, les cris qui poussent. Pff, ce tir qui passe à côté comme une grosse bouse. Allez, viens là, toi. Voilà. Tout ça pour des obsidiennes moisies. Ah bah voilà un cœur. Let's have a look here. Nope. Rien qui m'a... Ah, mais là, il y a du Artemis. Pff. Bon, allez. On va quand même se le prendre. De toute façon, je suis mal parti. Alors, autant essayer d'avoir des bienfaits un peu plus sympas. Pourquoi ça rebondit, ce truc? Bon. Décidément. Ben... Ah, bah voilà. Vous êtes là. Bonne nuit Azriel, merci d'être passé. Ah purée, c'est vrai que il se fait. Ouais, il se fait 9h30. Bon, en semaine, c'est pas évident. Des fois, moi je suis bien crevée à 9h30 aussi. Quoi. Je suis bien crevée, il est 8h30 chez moi, donc. Mais. À chaque fois j'oublie que je peux pas traverser des étendues quand elles sont de cette taille. J'ai buté le cristal, ah bah c'est cool hein. Il est déjà parti. Not yet.
Bon. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire cette run, je suis trop crevé. Mais tant pis. In the name of Hades. J'ai déjà fait pire dans la série des runs pour Av, donc... Ça sera toujours ça de prix. Ben, on va aller chez Poséidon. J'aurais peut-être Astérion, histoire de me perdre encore une life. Ah non, même pas. Je vais encore perdre une life sur un boss papillon, histoire d'être bien pitoyable. Qu'est-ce toi ? Viens pas me bouffer mon lancer, toi. Voilà. On y voit un peu plus clair, là. Surtout comme ça, il y a un petit peu moins d'archers qui traînent. Et ça, quand il n'y a pas d'archers qui traînent pour me foutre des flèches dans le cul, c'est quand même vachement bien. Laura, bah voilà. Voilà. Ça, c'est cool. Celui-là, je l'avais pas la run précédente. Là, je vais prendre un cœur, en vrai. Parce que là, bon. Juste à temps. Ouais, tu viens juste à temps pour m'embêter. Arrête de sourire, Thanatos, c'est creepy. C'est creepy à ce point. Où qu'ils sont, mes trucs, ils sont là. Zut. C'est moi qui l'ai buté, elle, ou c'est lui? Je vais encore me faire poutrer avec ces conneries. Ah non, ça va, mais je suis quand même en tête pour l'instant. Pas pour longtemps. Ah non, c'est bon. Yes! J'ai gagné un petit cœur en plus, je crois. Oh! Il y a même un dialogue. Je voulais pas t'accuser de ce que tu as fait, Orphée. Je m'inquiète juste quand on se fait embarquer dans une histoire, on risque d'aggraver la situation. C'est pas faux! C'est pas faux! Il a pas tort! Ouais, j'aurais même jamais demandé si c'était d'accord que je fasse quelque chose pour eux. Mais bon, au moins ça s'est bien fini. Il y avait de la chance. Qui suis-je pour parler? Tu ne m'as même pas demandé de venir. Ah oui, il veut dire là maintenant. Ouais. C'est vrai que... Je peux parler, Thanatos. Bon, on va récupérer l'autre cœur. Là, du coup, c'est plutôt pas mal. Ça devient un petit peu rentable. Sur quoi j'ai pris des dégâts, là? Bref. Ramasser ceci, c'est-à-dire? Ah oui, sans doute, les obsidiennes. Non! Je m'étais dit, ce petit miaulement! Je l'entends, il est là, c'est un chat! Cette petite saloperie! Ouais, restez là-dedans? Non, bon, bah forcément. Ah! Ces explosions, comme ça torche bien! J'aime bien posséder, on l'en fout partout, c'est vachement cool. Non, non, tu vas te bouffer des trucs, toi, je te garantis. Ah, il y avait des lances à la nouille. Je savais que j'avais zappé un truc, les lances contre le mur. Ah voilà, 34 au lieu de 25, c'est pas mal, ça monte bien. Là, ça commence à ressembler à quelque chose, j'arrive vers les 300. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on go les gemmes. Wow. Oh le bordel! Pas... Ah ah, poisson! Poisson, poisson! Est-ce que ce sont encore mes hémolites? Voilà. Non!
Rends-moi ça, toi. Bon, elle commence doucement à me faire suer, celle-là. Voilà. T'es un peu mieux comme ça. Poisson. Poisson, poisson, poisson. Faut pas que j'oublie. Ça me fera le troisième ou quatrième, je sais plus. Ça fera toujours des gemmes ou du nectar. C'est jamais perdu. Allez. Allez. Et je ne sais pas, il y a des poissons que j'ai toujours pas attrapés. J'arrive pas à savoir comment les obtenir. Est-ce que j'ai loupé un truc là-bas? Non. Donc... encore des obsidiennes. Allez, une petite frappe dans le cucu. Hop. Voilà, tu me rends. Ah! Il a paré. Prends-moi ça. Là, il y en a un autre. Ah, lui, je sais pas pourquoi, mais il s'est pris un tir de laser, là. Ah! Le pire, c'est que je l'ai senti venir. C'est ça qui est terrible. Je les sens venir et j'arrive quand même pas à les esquiver. Yeah. Allez, bouffe. Irap, je peux pas y aller parce que j'ai pas assez... en température, je suis que à 10. Ah, le char, casse-toi! Oh! Comme il est passé juste à côté! Ah, il a encore envie, lui! Mais genre, là, Jean-Michel Char, il passe entre, quoi! Voilà, rends-moi ça. Non, tu me rends mes obsidiennes. Tu me fais pas de parade, merci. Bon, ça c'est fait. Bah là, on va aller chez Caron parce que sandwich. Puis je sens que c'est un peu la fin du truc avant le boss. Bah bingo. Y a pas de truc, non. On va prendre ça. Merci, il a fait monter le tir. Le tir, je suis au niveau 7. Ah ouais. Effectivement. C'est pas mal. C'est pas mal. On arrive vers les niveaux overkill, c'est bien. Voilà. Ah bah dis donc, Tézé, tu commences fort, toi. Là, j'utilise le gland un peu vite, par contre. Ça, c'est pas terrible. Non ! Mon obsidienne ! Qui restait là-bas ? Quelle tristesse ! J'ai hâte d'aiser qu'on a une encore, surtout. Ah non, ça va, il l'a largué. On va chier l'obsidienne derrière. Non, Tézé. Ah, les paillettes, mais non. Tézé, mais non. Tu abuses. Senti venir, mais encore une fois, c'est pas pour ça que je peux l'esquiver. Zut. Pardon. Yes! I'm enjoying myself! Pas de problème, Tézé. Ouh. Alors, entre les obus et l'autre qui fait tourner sa hache, encore une fois, c'est pas évident, hein. Par contre, ce que j'ai pas testé, c'est est-ce que le lancer interrompt le tournoiement de hache d'Astérion. J'ai pas testé. Je suis
pense pas, mais ça pourrait être intéressant à tester. Ah. Je tombe. Je suis à terre. Bon, on va lui balancer un lancer dans le cul. Le mec il pète un câble à chaque fois. Quoi. Oui, ton char tombe en morceaux, on est d'accord. C'est fait exprès parce que j'arrête pas de taper dessus. Ah, j'ai envie de faire le dash là. Voilà, celui de Hollow Knight, j'entends. C'est quoi ce vieux bruit de paix dégueulasse quand ton char il tombe là? Ah, c'était ridicule. Zeus, ça va pas, ça va être moyen, mais mon appel est chargé. Parce que Thésée. Ah, crotte. Voilà. Bon, lui c'est fait. Effectivement, ça va le faire taire. J'ai toujours pas qui c'est, cette gentille ombre. Mais... elle est sympa de me donner du courage comme ça à chaque fois. Le fleuron d'Elysée. Comment te dire? Oh bah Terraclo, bah merci pour le follow. D'ailleurs bienvenue ici parce que je crois que je t'ai pas encore vu sur le stream. Je t'ai vu chez Tom Tom. Toi c'est chez Tom Tom que je te connais. Donc coucou. Voilà, tu arrives sur ma dernière run, qui est pas forcément super bien partie, mais c'est pas grave, hein, c'est... J'avais précisé, c'est le stream 0 skill, donc quand ça passe, on est d'autant plus content que ça passe. C'est... Bon, en vrai, je suis quand même moins nulle sur Hades que je l'étais au tout début, faut pas déconner, hein. C'est... Je vais pas faire exprès de faire n'importe quoi. Mais j'ai la capacité de faire n'importe quoi sans le faire exprès, ça par contre, y'a pas à dire. Ça fait 5e poisson que j'attrape, là? Enfin bon, bah en tout cas, pose-toi, installe-toi, ben j'espère que tu apprécieras ce que tu verras. Ah! Ah, j'ai rien sur l'élan! Ah, crotte! Ouais, il me manque un skill là, je parle pas du mien. Ça par contre, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool, j'avais pas du tout fait gaffe qu'il me manquait de l'élan. Et pour ces petites cochonneries de rats, c'est quand même vachement bien. Bon, on va essayer de faire avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Ah si, yet. Je récupère vite les obsidiennes. Bon, je peux les avoir comme ça aussi, mais... ça va pas très bien avec ma technique de feignasse. Donc c'est... la salle de... du bordel. Voilà, toi va crever. Ouh, le poison. Vu que j'évite le poison. Ouais, comme je bois là au passage, l'air de rien. Ah zut, j'ai plus d'obsidienne. Ils sont où les autres? Ah, les bâtards, ils sont au bout. Je vous jure, comment on est censé se battre là-dedans? Quand il n'y a pas du poison, il y a des rayons laser. Et quand il n'y a pas de rayons laser, il y a des roues dentées. C'est magique. Va mourir toi, merci. Voilà. Bon bah on va faire tir de submersion niveau 8, hein, tant qu'à faire du overkill, autant y aller jusqu'au bout. Par contre j'ai quand même du pognon, je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose là. Bah tiens, on va se choper ça. 450...
On peut se choper celui-là aussi. Récif tranchant, on va prendre ça. Et il me reste assez pour un baiser du stick s'il y a besoin. Où est-ce que je vais ensuite? Bon, on va chercher un peu de thunes encore. Hein. De toute façon, je pense pas qu'il va y avoir des grosses merveilles à partir de maintenant niveau skills. Ah! Je suis coincée. Coincée dans le rocher. Même mon perso, il est tout fatigué là. Ah! Ouf! J'ai failli oublier la thunasse. Merci, le jeu m'aura bloqué à ce moment-là. Comme ça, au moins, j'ai rien perdu. Ok, bah ouais, les petits rats, faudra que je les kill à coup de lancer plutôt que de leur courir dessus. Ça, c'est bien, ça allait vite. Est-ce que j'ai le sac de satyre ici? Bien sûr que non. Sinon, c'est pas drôle. Je les ai récupérés? Ouais, je les ai récupérés, super. Maintenant, si j'apprenais à tirer, ce serait mieux. Je dis ça, je dis rien. Ah non, il y en a encore un. Bon. Ah zut, j'ai pas réussi à l'avoir. Avec le piège. Aïe, ça pique un peu. Ça pique un tout petit peu. Que j'avais récupéré sans me bouffer le poison. Ouais. Ouf, ça va, c'est passé encore pas trop mal. On va reprendre un peu de life. Je pense que j'ai tout pillé ici. Bon bah on va aller à la troisième salle. Hein. C'était quoi nouveau? C'était Dionysos je crois. Là par contre il me file de l'élan, je vais prendre. Et après, ben si c'est toujours pas là, bah on avisera. Le rat qui se fait buter par la roue dentée, ça m'éclate toujours. C'est bien quand ça se produit comme ça, d'habitude c'est plutôt l'inverse. Ok, ça c'est bon, il n'y a rien d'intéressant ici. Non, non, les gros rats, s'il vous plaît, vous allez mourir dans un coin et vous ne dégueulassez pas toute la salle, merci. J'espère que c'est... Yes! Yes, yes! Comme ça, j'ai pas à me taper les deux autres. Putain, c'est des mouches. Je veux pas savoir ce qu'il y a dans ces égouts. J'aurais pas dû me poser cette question. Maintenant, je vais imaginer plein de merde. Ben, bon. Ben. On va prendre ça. On va pouvoir rendre les gens ivres. À défaut d'autre chose. Du coup, j'ai encore assez pour me payer la grenade. Ouais, la grenade et un Dionysos, bah, ça va être parfait. Bon, je dis niveau 10, le tir de submersion. Voilà, ok. Bon, c'est pas fifou. J'ai pas eu ce que je voulais au niveau des synergies, mais c'est pas grave. On va faire avec. On va retourner se faire poutrer. C'est là que ça passe. Ah, ce serait hallucinant si ça passait maintenant. Bah, troisième phase, j'ai quand même du mal sur ce boss. Hein. Là, il n'y a pas à dire. Mais là, j'ai jamais eu un lancer aussi bourrin que celui-là. Il est niveau 10. C'est dommage que le reste n'ait pas suivi, quoi. Mais... Oui, je suis de retour avec mon glaive magique. Voilà, le petit élan, ça le fait bien. Ah! Papa, espèce de bâtard! Ah non, c'est bon, j'ai pris la dent. J'ai cru que j'avais gardé le gland, j'ai eu peur. Voilà. Ah, il me l'a fait qu'une fois, son truc, hein. Bon. Par contre, même comme ça, il descend pas vite. Hein.
Oh. Ah si, c'est le bienfait d'Hermès qui fait ça, ok. C'est pour ça que je résiste au moment de l'élan. Rends-moi mes obsidiennes. Ah, mes émolides, pardon. Merci. Plutôt aussi tant que t'as fait. Prends-les-moi. Peut-être que j'arrête de courir dans les... dans les cercles de force des crânes, là. Mais... ah ouais, non, je l'ai pas esquivé, là. Qui c'est que... ah, c'est ce bâtard de cône de chantier qui a les... voilà. Zut. Bon, ça va. Elle me l'a un peu descendu. En vrai... rien. C'est ça. Sauf que c'est moi qui vais fight again and die again. C'est un petit peu ça le problème, quoi. Prends-moi ça à toi. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Bon, lui, il faut que je le descende fissa parce que là, les papillons, ils vont m'embêter très longtemps, je pense. Bah voilà. Remarquez, ça aurait pu arriver avant, hein. Voilà. Bon. Ah. Bon bah je vais rester planqué moi. Hein? Comment ça t'as quelque chose pour moi? Mais moi aussi j'ai quelque chose pour toi, regarde. Fire! À défaut d'autre chose, hein. Bon. Sur quoi il a pris des dégâts lui? Là par contre, je suis pas sûre. Bon, le seul truc embêtant c'est qu'avec cet élan je peux pas démolir les jarres, donc ça va être un peu chaud. Ok, enfin, lui non plus, il me les démolit pas donc ça va. Ok. Ah zut. Ah non. Non, non, mon toutou, non. Non, je déteste quand il fait ça. Cerber, c'est mon toutou, j'ai grandi avec quand j'étais petit, j'ai joué avec et tout. T'as pas le droit d'appeler Cerber. T'as pas le droit de lui demander de me frapper, papa, t'es un méchant. Bon, tu me diras, bon, je demande bien à tes serviteurs de me frapper, tiens d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Voilà. Bon, ça par contre, c'est pas forcément terrible à ce moment-là, mais... parce que le pauvre Skelly, il aura pas survécu à ce truc, malheureusement. Aïe. En même temps, je cherche la merde à faire ça. C'est dommage, j'ai un super bon lancer là-dessus, mais... ah, ces obsidiennes là, ces émolites qui me narguent. Hein.
Even my wretches don't want you to leave. Ah zut. Mon timing était moisi. Ouais, pète-les, c'est bien. Que j'ai pas à faire ça moi-même. Il est où, papa? Voilà. Ah zut. Bien la peine d'utiliser Artemis. Qu'est-ce que tu fais, papa? T'es coincé dans le mur? Bon. Ah! Ouais, ça va être chaud quand même. Hein. Ouais, c'est bien, pète tes genres. Oh, juste à temps. Celui-là, par contre, c'est pas juste à temps. Ouf, planqué. Bon. Et là, maintenant, ça va chier dans la colle pour moi. Encore plus qu'avant. C'est pour ça que j'aime bien avoir un élan qui torche bien pour ça, parce que... Bah, je vais pas y arriver. Non. Hélas. J'y suis presque. Si j'arrive à le descendre à zéro ici, c'est bon. Ah. Oh, c'est pas grave, hein. C'est pour ça qu'on appelle ça du tryhard. Après tout. C'est bien la raison pour laquelle. C'est comme ça. Ah, dis donc, Hypnos, t'as du peps aujourd'hui, là. Ça va, t'es plus en forme que moi. Oui, papa est fier de moi. Je veux bien. S'il pouvait juste arrêter de me planter une lame dans les côtes à chaque fois, ce serait bien. Ah, parle souvent avec Achille. Ouais, vous êtes souvent les uns à côté des autres aussi, c'est pour ça. Même quand il était encore en vie, il n'y avait aucune chance pour que je sois celui qui l'amène ici, étant donné son statut. Ah oui, quand les mortels meurent de façon violente, ce ne sont plus tes affaires. Je m'occupe de ceux qui sont moins pressés d'arriver ici. Ok. Je sais plus de quel il s'occupe, Thanatos, du coup, mais... Bon bah, allons vendre le poisson, hein. Ah ouais, j'en avais quand même 4. Voilà, 2 petits nectars, c'est pas dégueu. Pas trop bouleversé par la façon dont ça s'est fini entre toi et Hypnos. Mais Meg et Hypnos, ils étaient ensemble. Dommage, j'étais quand même bien parti. Ouais, j'étais bien parti, mais j'ai... Bah, après, c'est le boss le plus fort du jeu aussi. C'est... Je me doute bien que ça allait pas être facile, mais ça doit faire... J'ai arrêté de compter le nombre de fois que je me... Ça doit faire une douzaine de fois que j'essaye, quoi. Il est dur. Enfin, pour moi, en tout cas, il est dur. Mais bon, j'ai trouvé une arme qui me va bien. Donc maintenant, il faut juste que j'arrive à avoir les bienfaits qui vont bien également. Et puis pas des bienfaits à droite, à gauche, un peu de n'importe quoi. Donc, je suis encore sous le choc. Tu es déprimé dans le salon. Mais viens dans la chambre. Je vais te faire passer, je vais te faire oublier Hypnos, tu vas voir. Ouais, sans petit temps... Combien j'ai de diamants, plus des masses quand même. Bon, on va attendre encore un peu. Mes efforts ont profité à la maison. Ouais, tous mes efforts de décoration dégueulasse, genre les crânes sur le sol, les pétales, les serviettes, les trucs dégueux, quoi. Tiens, en parlant de ça. J'ai encore des trucs à acheter avec mes obsidiennes. Puis avec mes gemmes aussi, mais on va d'abord finir ça. Voilà, celui-ci.
Comme ça, je saurais quoi faire avec. Et je pense qu'il y aura plus grand monde à qui causer pour cette run. Je reprends ça. Ah, le mini Tados, là, il est bien pour distraire les ennemis, mais contre Hades, il distrait pas longtemps. C'est... ouais, non, je pense qu'il y a rien. Il y a plus rien de spécial là-dedans. Ok. Alors moi, par contre, je vais pas repartir pour une troisième run, parce que là, je vais vraiment être trop crevé. Ouais, alors, on va caresser le toutou. Oui, je suis un bon toutou. Oh, ouais. Tu vois, et papa, il m'envoie son chien, là, pour m'attaquer pendant le fight. Alors que c'est un si gentil toutou. Bon, il a une tête qui déprime, mais... Ça fait toujours mal quand il y a Cerber qui déboule, donc j'essaye même pas de le friter. Je me mets juste à l'écart. Oh, pardon. Ok. Donc je disais, moi, je vais m'arrêter pour Hades pour ce soir. Je vais quand même regarder si j'ai quelqu'un chez qui faire un petit raid. Qui est-ce que j'ai qui stream ce soir et qui est un petit peu plus en forme que moi aussi. Parce que ça pourrait être cool. Alors, je suis en train de regarder Emile Moi qui fait du rétro, forcément. Ah bah tiens, j'ai quelqu'un qui fait du... pas du Hades, mais du Hollow Knight. Et j'ai BSK qui fait du Hades. Bon écoutez, qu'on est parti sur Hades ce soir, je vais envoyer chez BSK. Ça va lui faire plaisir, il sera content d'avoir un petit raid. Enfin j'espère, il a intérêt. Sinon je le tape. Ah ouais, effectivement, ça a l'air d'être bien bordélique sur son Hades. Il a plein de boules de feu qui volent partout. Ok, et bien je vais faire un petit raid chez lui. Je crois que c'était lui qui avait essayé de faire une run avec maximum de life. Ouais. Bah, bonne soirée à toi, Teraclo. À bientôt. Merci d'être passé. Merci pour le follow, encore une fois. Et donc, je vais envoyer le petit raid. Histoire qu'on finisse pas juste sur moi qui déco le stream. Hein, parce que sinon, c'est un peu déprimant si c'est juste... Bon, bah, ciao, au revoir. Bye. Surtout que j'ai pas vraiment le générique de fin, faut être honnête. Hein. J'ai juste un écran. Le stream est fini. Donc voilà, voilà. Je vous dis merci. Et je vous envoie sur le raid. Et puis pour vendredi soir, 19h, normalement. Je dois aller au bureau, mais normalement je serai de retour largement à temps. Donc vendredi soir, 19h. Et cette fois, je ferai du Hollow Knight pour toujours plus de souffrance. Donc voilà, voilà. Donc bonne soirée à tous. Et bien vendredi pour ceux qui reviennent pour du Hollow Knight. Allez, bye bye, j'envoie le raid.